comme une licorne en moins. Ouais, bah y'a une soirée, mais ils avaient dit tout en rose, mais vas-y, nique sa mère. Mais c'était hier ça. C'était hier. Suis un peu, Titou. Mais ouais, c'était hier. Y'a personne, mon ref, à l'unicorne. Pourquoi ouais, hein. Tu t'appelles Titou? Voilà. Parce que je sais pas, c'est tapé en délire. Y'a personne à l'unicorne. Bah, on sait jamais, hein. Ça va. Vas-y, va voir dedans, vas-y. Non, c'est bon, je veux plus. Tu m'as roulé dessus. Bah ouais, bah en même temps tu vois. Moi j'appelle Titou parce que j'avais envie d'y trouver un surnom, mais chocolat au lait de coco il aime pas. Quoi ça, Pons Biro Pan Plaza, c'est quoi ça? Ça sonne bien à la. Ça m'a casse de vêtements, ça m'a casse de vêtements. Oui, je sais, je sais. Bah vas-y, mets-moi un point, vas-y. Ah là là. À la base, je voulais l'appeler Tata, mais il a pas voulu. De toute façon, Coff, y'a aucun truc ouvert donc. Oh frère, ça fait vraiment genre un mois que je dois y aller, il ouvre jamais. Ah ok, bah on y va. Mais il se passe quoi ici là qu'il y a 26 voitures de flics? Il va y avoir une grosse course poursuite là. Bon nickel hein. Ah non, nickel, on passe pas par là. Bah écoute, ça, bonne question. On va raqueter des. T'as raison en vrai. On remonte chez les AOD pour faire un billard. Wesh! Bah y'a juste un mec au milieu de la route. Mon ref, mets-toi sur le trottoir. Va que des racketeurs. Ok, bah il a pas l'air. Que des racketeurs. Oh, il s'est fait charter. Bah, voilà. Bah c'était sûr. Hein. Tu vois pourquoi? Voilà, bah bien putain, joué. Putain hein. Sa mère là, tout cala. Bravo monsieur. Vous démerdez avec lui maintenant. Wesh. Oui. Attends mais c'était nos voitures ça. Quoi? Attends, mais toi, tu vas te saper dans des vêtements de luxe, toi? Je vais pas me saper, il faut juste des lunettes, frère. Ouais, ils ont pas les mêmes jure, lunettes. Il y a des lunettes différentes ici? Bah oui. Oh, ok, je vais venir avec ça, toi. Frère. Ok, je viens avec toi. De toute façon, on va tous y aller, du coup. Ok. Ok. Il y a peut-être des lunettes cool ici. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je me sens avant d'aller m'habiller. C'est logique. Poussez-moi tranquille. Vas-y, Titi. Titou. Même je sais pas, vous les avez plus, je vais me foutre en l'air. Tu sens les fleurs? Il y avait des. Vous savez, des lunettes rondes de soleil, genre. Mais elles sont au suburban? Ouais, non, elles y sont pas. Je te jure, moi je les ai vues. Ouais, je les ai vues, moi. Oui, mais pour les meufs. Ah ouais. Nous, on doit les faire enculer, je crois. En fait, ouais, clairement, je les ai jamais vues. Ces fleurs là. Je jure, mais je les ai vues, il y a pas. Je vois pas tout le monde là. Genre 3, 4. Ouais, parce que moi, elle me disait rien du tout, c'est lui. Je vais faire pissou. Mais c'est grave, là. Au cas où, je vais faire pissou dans la voiture. J'arrive, les loulous. Elle est passée où l'autre grognasse? Elle est partie faire pipi. Oh putain, elle casse les couilles quand elle fait ça. Oh, super, c'était juste pour savoir si Laurent il était là. Oui, il est en hélicoptère. Sûrement Smith, je sais pas quoi, il est en hélicoptère souvent. Il est noir. Que je le cherche. Bah, merci beaucoup. Big up.
Eh bien. Quel c'est coffre. Ça dit quoi l'équipe? Faut savoir vous porter dans votre journée. Votre journée se passe bien. Moi ça va en tout cas. Pendant qu'elle est partie pisser. Moi j'attends depuis tout à l'heure. Voilà, voilà. Heureux les loulous. Petit cœur. Les petits cœurs, les petits cœurs. Merci pour les petits cœurs. Il suffit. Hein? Ouais. Quoi? Ok. Oh, oh. Et ça? À quoi? Ça veut... Tu veux encore pipé dans ton truc Bob l'éponge là? Bah oui, et c'est pas Bob l'éponge, c'est Winnie. Ah oui, je dis bonjour. Et ouais, c'est bien du coup, genre le miel, tout ça, tout ça. Ouais, c'est bien le miel. C'est bien le miel. J'étais pas prête, gros. J'ai appelé le SHD, j'ai demandé si le Rouen était là, et ils m'ont dit qu'il était en intervention, ça veut dire qu'il est là, mais il est en intervention. Ça y est, elle pisse plus. Ah, ça y est. Non, c'est bon, elle a fini de pisser. Ah, je suis que. Bon, ça y est, j'ai fini sa pipi, rempli Winnie. Du coup, tu veux acheter des vêtements ou pas? Bah, je pense qu'il y a rien de nouveau ici. Bah, non, c'est de la merde, il y a que des vêtements. Faire. Donc, bon, tout ce qui est mix, tout ça, on peut. On peut que des costumes, par contre, si tu veux, il y a des belles lunettes de ouf. Beaucoup plus jolies qu'au suburban. Ah, mais va te faire enculer avec les costumes. Ah ouais, vas-y, mets un chapeau. Oh, vas-y, elle nous fait la Fashion Week. Elle nous fait la Fashion Week, ça y est. Titou. Parce que tu fais aussi le bonhomme, tu te rappelles? Titou. Quoi? Tout, tu l'as dit? Non. Ah si si, elle a dit dit tout. Mais t'es con, elle est là. Elle est là. Elle est où la voiture? La voiture. Quoi? Mais c'est là, elle est de fond. On l'a volé la voiture? Ah oui, regarde les traces de pneus. Ah, je crois qu'on vient de nous péter notre caisse. Alors là, ça va pas se passer comme ça. Je vais appeler. Alors là, je vais appeler l'équipe. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ça va pas se passer comme ça. Hey! Lève-toi, Titou, ça va bien se passer. Excuse-moi, boy, viens là. Ouais. Bizarre, t'aurais pas vu une primo noire partir? Ah frérot, je sais pas. On m'a appelé, on m'a dit de venir ici. Je comprends rien à ce qui se passe ce soir. Non, j'ai pas. C'est qui t'a appelé? Un bouc qui s'appelle Despi. Despi, il est où? C'est un bug. C'est un Renault Albinos. Ah, Renault Albinos. C'est lui qui vient de nous voler la voiture? Je connais pas. Lui? Attends, alors, vraiment, vous avez vraiment pas de chance. Appelle ton pote. Dis-lui si c'est lui qui a la primo, il revient maintenant. Attends, vas-y.
Ça veut pas que ça l'a marqué. Ouais, c'est toi qui t'es barré avec la primo là. Okay, c'est bon, vas-y, vas-y, bah tu on se tient au courant, c'est bon. Vas-y, bah viens me chercher du coup. Je t'appelle demain, au moins ton temps il est là. Vas-y, parfait. Tu m'as appelé pour venir, gros, je suis venu. Je te vois pas, viens me chercher, gros, je suis tout seul. Vas-y, nickel, mon gars, attends. T'es comment, c'est lui la pédale là, il est en train de la... Non, il est en train d'appeler son pote qui nous a pété la chop là, il arrive. Mais attends, je comprends pas. Frérot, viens me chercher, je viens avec vous. T'as vu, j'ai mis mes saussons. T'as vu, Titou? Bah arrête de m'appeler comme ça. Mais vas-y, j'aime bah, bien. Va ton truc de voiture, je viens là-bas, vas-y. Vas-y, mon bouc, vas-y, à toute. Vas-y, Marilo. Venez, montez. Ouais, il y a que 3 places. T'as vu. Appartement, Naya, tiens, appartement. Attends, c'est le porter. Bah oui, non, mais désolé, madame Jinx, mais. D'un groupe ou quoi, les gars? Apparemment, c'est important, on s'est fait voler la voiture. Donc... Bah, c'est pas juste. Elle ressemble à quoi la voiture qui vous a été volée? Primo. C'est une primo. De la police. Ok, non, 16 Block. Les flics, ça bon. Me dit un truc, 16 Block. Tu connais, hein. Bah, de toute façon, ça tombe bien parce que je dois voir un peu les groupes afro de la ville, t'as vu? Ouais, voilà, 16 Block Boy. Ah, mais c'était voilà. Toi, t'étais en plein milieu de la route, non? Ouais, t'es fait charcuter. En plus, on t'a parlé, tu nous as pas répondu. T'as pas écouté. Mais encore à moitié, j'avais la tête dans le cul. Plein bad. T'es sûr, ça va là? Parce que là, ta tête. Non, ça va. Pas que dans le cul là. Ah, pourquoi? T'inquiète. Ah, ouais, non, je suis un peu pâle, non? Faut flash ici. Ouais, bien vu. Ah ouais, hey. Joli, bien vu. Non, laisse tomber, mon gars, laisse tomber. Très drôle, Walid. Faut innover un peu. En fait, hein. Je t'explique, t'as vu, moi, je suis arrivé avec mon frère et ouais. On a monté notre orga, tu vois. On est les Black Honors, tu vois. Okay. On veut rencontrer un peu les groupes afro parce que nous, on est là pour aider la cause, t'as vu. Okay, flemme d'aider les latinos, les trucs comme carrément, ça. Carrément, on est fort et fort cardam, mon gars. Voilà mon but. Bah, si je peux carrément prendre ton numéro et puis je vais voir vas-y, grand, hein. Si on peut se faire rendez-vous entre. Quoi pas Ils sont là, t'es avec tes frères là ou t'es tout seul? Je suis tout seul, mon frère il est retourné. Gars, il va péter un câble parce que je le pose pas. C'est NAS. Moi, elle est confortable. Mon chewing-gum à la poubelle. Vas-y, envoie le numéro. Ah, super confortable ton épaule. Hein. Attends, vous êtes mon chewing-gum à la poubelle. Voilà. Tu fous de ma gueule. Connard. Ouais, c'est hyper. Je suis vrai, il est lourd ton numéro. T'as vu? Putain, j'ai pas mis de pont sa mère. Attends, mais du coup, il est où le mec qui nous a pété un primo là? Ça, c'est son lieu de travail, il m'a dit, tu vois. Donc, du coup, je vais lui dire de venir me chercher, t'as vu? Vas-y, bien vu. Là, toutes les voitures que vous. C'est voiture à lui, soi-disant, tu vois. Okay. D'accord, bah s'il veut pas que je lui pète toutes ses voitures, bah. Mais c'est pas lui, je crois, après moi. Bah, si c'est lui, il a qu'à la ramener. Parce que sinon, ça va pas très très bien se passer. Tu viens lundi, tu repars jeudi. En tout cas, c'est lui que j'ai eu au téléphone quand je lui ai dit c'est toi qui as pris la primo. Il m'a dit ouais, c'est moi, je suis avec 3 gars, je sais pas quoi et tout. Ouais, voilà, tu vois, très. Ok. Donc, s'il veut pas que toutes les voitures ici elles aient des pneus crevés, bah il réapplique avec la primo quoi. Que ses yeux aussi soient crevés, ouais. Ce serait con qu'il se fasse virer dans son nouveau taf. J'aime pas trop qu'on voit le numéro de voiture comme ça. Ouais, non, c'est clair. Il disait après, parce qu'en fait il a fait la manif et du coup il était coursé donc il a vu une chop, il l'a prise, tu vois. Genre, rien banal, à foutre. Bah frère, il a des jambes, non, il court, frère, voilà. Genre, ah ouais, enfin, on est d'accord. En plus, il a fait 2 minutes avant pour venir lui. Après, il savait pas, c'était un autre tranquille. Non mais même, pas, toi, ça, nous, mais... qui que ce soit, très, c'est comme si là nous on est des fils de pute, on est 4, il est tout seul, je dis bah voilà, maintenant c'est à nous. Oui, genre, mais j'y ai pensé, hein, après je me suis dit non. Voilà, enfin on n'est pas des salopes. Très, après j'ai vu c'était un bon. Attends, je vais le rappeler, je vais lui dire de venir. Oh la Fashion Week, c'est fini là ou... Elle se trouve pas ce que je veux. Non mais putain. Il me raccroche au nez, cette espèce de con. Je suis sûr il s'est fait péter par les flics. Attends. Voilà. J'ai trouvé. Putain, c'est qui ça? C'est à ton frère, tu m'as dit? C'est à son frère, ça? Je sais pas. Hein. De quoi? Attends. Hein ouais. Oh, c'est à son pote qui a pété la primo, du coup. Oh, je n'ai rien compris. Je comprends pas toute la discussion. Ouais. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'on s'est fait voler notre voiture. T'es gueulé, toi?
Moi ou elle? Tombe dans la bas. Bah elle là. Oh ah, Titou, elle, okay. Tu me parles sur un autre ton. Arrête de m'appeler Titou. T'as le droit, t'aimes bien. Bon, okay. Non, très. Viens, non, là, non, non, très, je vais te parler. Viens. Très, mais arrête, non, très. arrête. Quoi? Tu fais quoi? Il y a bien deux secondes. Je pète la gova, oui. Je fais quoi? Mais non. Il a pas dit compliqué. Qu'il arrivait avec la... Tu connais bien les pouvoirs de ce gros front là, tu les connais bien. C'est vrai que t'as un gros front. C'est vrai, c'est qu'il fait très mal mon front. Oui. Non mais t'inquiète pas, je vais te faire. Juste là, je te fais un avertissement. Arrête de m'appeler par des sons. Par des sons. Sons de merde. Sinon, tu vois, je vais devoir t'éclater. Je vais devoir prendre mon front et l'éclater contre. Ah. Mais c'était un avertissement ça, mais tu m'as quand même mis ton front dans ma gueule. T'es encore debout, je te l'ai pas mis super fort. Ça fait mal au nez. Ouais, et alors, qu'est-ce que tu vas faire? T'es méchant, Titou. T'es un méchant. Non, non, vraiment, t'es un méchant, Titou. Ah bah, Niki, viens là. Arrête Titou, assis. Waouh. Bon, c'est moi un jour. Je vais me foutre en l'air. Une Zidane. La gova la plus dure de ma vie à péter, frère. En même temps, t'as vu que c'est. Je vais juste un match-up, j'arrive. Hein. C'est un bon. Vas-y. Là, il va se barrer. Ah non. Ah, tu peux le faire, frère. Ok. On va attendre le bip. Je vous le dis. Mais quel bip? Mais la tête de ma mère, c'est réel, je te jure que oui. Mais quoi? La tête de ma mère, vraiment. Vous entendez un bip? Là non, parce que regarde, tu vas l'attendre quand... Et je vais te dire c'est bon pas. Ok, c'est bon. Quoi? Mais... Mais tu sous ma gueule là? Mais tu fais un... Bah non, regarde. Je bah, dis... bah... Attends. Bah c'est ouvert que pour toi mon ref. Oh merde. Bon. Tu peux pas ouvrir les... Ouvre les portières? Ok. Ah bah non hein. Ah ce siège ne me donne pas du tout envie. Mais wesh, mais pourquoi? C'est pas pourquoi, j'aimerais ouais, bien bah, poser mon cul dans un siège, mais celui-là je trouve. Essaye de monter dans le coffre. Ouais. Je peux pas, c'est verrouillé. Ouais mais vas-y frère. Bah descends pas parce que sinon tu pourras plus remonter dedans. Bah ouais non, je compte pas descendre de toute façon. Arrête bâtard. Ouais. Ça marche pas, je sais que c'est la serrure. Ouais arrête ton pote, tu sais comment. Ah, je sais pas, il raccroche H24. Si tu veux, je te donne son numéro. Comment son numéro? Vas-y. Il s'appelle comment? Bah, tu lui diras qu'on a un échange plus. De voitures à faire vu que Trail a la sienne. J'avoue. Vas-y. Alors, c'est le 20 83 80. Oh, Christina Cordula, t'as fini? Mais fin. Tranquille. Non, mais fin. Pendant qu'on se fait moi, je fais mes affaires. Tu changes plus de vêtements? Que le magasin de vêtements en vend. Genre c'est grave. Et c'est un bon tableau, c'est hey, ce que dis-lui, dis-lui, frère. Oh, ça fait 10 minutes avec nous. En 10 minutes, mais oui, bah, mais c'est parce qu'on fait rien là, donc je fais ça. Oh, c'est enculé. Ouais, il répond pas, je crois, il sait qu'il a fait une connerie. Bon, c'est pas qu'il a fait une connerie. C'est pas compliqué, on va aller chercher ce qu'il faut aller chercher, on va le retrouver nous-mêmes après moi. Ah non, mais on a sa chop, donc s'il veut récupérer sa chop, bah... Arrête, ah, je vais chercher des outils de crochetage, on crochète toutes ces chops. Hein. Et bah, c'est vrai, c'est quoi? Bah, la tête de la mère, j'arrive. Bah, vas-y. Attends. Mais non, t'es con, tu pourras pas descendre de celle-là? Allô? Et bah, là, allô? Crocheté, vous êtes au billard? Non, on est pas au billard, y'a un mec qui nous a volé notre primo. Je voulais pas se parler. Ah ouais, c'est qui? Ouais. Bah, vas-y. On sait pas c'est qui. Comment tu vas les récupérer? Et où? Bah, mais tu veux, mais là, on a un garage ou je sais pas quoi. Ah hey, bah c'est ça, vrai, tu vas les récupérer comment? Vous êtes au garage de quoi? Ouais, ça, à côté du quartier? Je reviens. Ok, vas-y, on t'attend. On est où là? On est à côté de Gros Street? On est à côté du Mégamall. On est entre Gros Street et Chambéry. Et vous savez pas où il vous l'a volé? Non, mais en gros, il y a son pote qui est là et il nous a dit... Dis-lui qu'on est au Mosley. On est au Mosley. Hein? J'ai un coup de pression. Est-ce que tu veux que je vienne lui mettre un coup de pression? Bah attends, il vient pas là, il répond pas au téléphone. Ah, t'as son hume? J'avoue, bah ouais, et là... J'arrive à Gros Street. Vas-y. C'est où à Gros Street?
C'est où t'as dit bah, c'est au on garage. Au Mosley. Au Mosley. En face du LTD. En face du LTD. Ok, j'arrive. Vas-y. J'ai pas fini ma tenue. Mais c'était qui? C'est Tibone. Ah. Ah, Tibone, il va pas être content, je crois. Ouais, ça va être une autre histoire. Ouais. Tibone, il va pas être content. Ah, bah tiens, regarde qui voit l'âge. Ah. Ah, bah c'est Tibone qui va pas être content. Non, ouais, mais lui, il est gentil, il a rien fait, le monsieur, avec nous, là, en vrai. Ouais, ouais, Tibone. T'es là, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, en tout cas, Tibone. Andy. Ouais, mais je sais pas, je te vois, t'as une démarche. Y'a quoi, toutes ces caisses, là? Y'a quoi? Bah, on va voler toutes les voitures que tu vois ici. Les voler? Oui. Pourquoi? Bah parce que c'est, elles appartiennent au mec qui a volé notre voiture. Donc là, les 4 caisses, les 5 caisses même. Oui, on va lui prendre. Ouais, c'est quoi cette dinguerie là? Voilà. Ah frère, il vole. Comment j'ai mal au ventre, j'ai vraiment envie de chier sa mère. Bah oui, bien sérieux, bah oui, c'est LSC. Et au pire, y'a pas quelqu'un qui a une batte là, se casse des pare-brises. Mais non, moi, on va les prendre, cassez-les pas. Vous avez des kits de crostase ou pas? Il est allé les chercher après. Ah. C'est pour le marteau. Voilà, vas-y donne un peu, on va tout voler, rien à foutre. Comment vous êtes fait voler une primo? Bah on était devant le magasin de vêtements. Parce que vous l'avez pas fermé. Il était on était devant la primo, on était devant elle genre. Mais attends, mais toi t'es qui? T'es son pote? Pas son pote, disons que je le connais et il voulait que je fasse affaire avec lui. Mais je vois un peu le genre de gars que c'est, tu vois, j'esquive ce genre de mec. Okay. Ouais mais t'as son numéro ou pas? Ouais, je l'ai donné déjà. Bah, appelle-le. Incroyable, ouais, j'aime trop aussi. Ouais, je lui ai demandé de venir, il m'a dit ok, pas de soucis, et depuis il répond plus. Oh, si non, ça va pas le baiser. C'est la voiture du mec là, celle-là. La primo, elle est à qui? Elle est sur Afsat, champ. La primo, elle est à qui? Vas-y, elle, tu peux la prendre. Fermé, frère. Ah oui, non, mais elles sont toutes fermées. Attends, mais là il a un kit. Mais en fait, les trois chaps là ils ont les mêmes plaques. Comment ça? Ce sont des bébés. Ouais, elles ont fait des accouplements. Ah, ok, ouais, bon, y'en a qu'une. Elles ont fait des petits bébés. C'est ça, en gros, les deux autres marchent pas. Faut pas les prendre. Ok. Et du coup, celle-là, par tout hasard, c'est pas le gosse de l'autre aussi qu'il a déjà pris trait? Putain, il s'est cassé sa mère. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, celle-là, vous pouvez la laisser ici en vrai. Putain. Je médite à l'arrière du straighter. Merci bien. Enfin, tu te rends compte qu'on est quand même en train de voler des voitures pour tout le monde. Je lui ai dit qu'il essaye de rappeler le mec là. T'es dans la voiture? Laissez-le méditer, putain, il va avoir le pic qui va exploser. On est en train de voler des chops devant toute une rue, on s'en bat les couilles. Salut! Vous inquiétez pas, monsieur dame. On fait rien ici. Du tout! On travaille ici, vous inquiétez pas. Ouais, on travaille ici, ah ouais. Non, non, vous inquiétez pas, on travaille ici, oui. On travaille ici. D'ailleurs, toi, tu viens de donner ton café. Quoi? Nickel. C'est bon, il m'a donné son café. Tu veux du café, Titou? Ouais, aïe! Mais pourquoi? Mais toi, t'as un souci, mon gars. T'as vu, il a un souci! Il a un souci! T'as un souci! Mais elle te demande si tu veux du café, tu lui mets une golden. M'appelle Titou. C'est pas une raison de frapper les femmes. Oh, merci. C'est une raison? Si, c'est une raison. Ah, par contre, ça vit dans les frères. Eh, par contre, il a répondu ton pote ou pas? Ah, mais je crois qu'il s'est fait péter, ce bouffon. Je vais le rappeler, ce fils de pute. Putain. Trey, il s'est. Donc, tu vas me dire qu'il s'est fait péter avec notre primo en plus? En plus, ouais. Oh là là. Ah, mais ça va le baiser doublement alors. J'espère que vous aviez rien dans votre primo. Non, mais c'est le geste qui compte, tu vois. Primo, on s'en bat les couilles. Dans tous les cas, on va la retrouver, c'est pas un souci, mais c'est le fait qu'il ait volé. Et surtout qu'il répond pas. Admis, tu vois qu'il la vole parce qu'il est en galère, tout ça. Ok, mais on l'appelle. Il répond, il veut venir. Salut Snow! Rendre, c'est fini, l'histoire s'arrête pas. Allez, fraîche, mais il de ouf! Il pas, il veut pas la rendre, il fait chier pas quoi, il se fait péter avec. Donné qui nique sa mère. C'est le même nœud que Titou. Vous voulez que je le remette là? Les frères, tu sais que là, au bout de la rue, là-bas, il y a une terrasse. Bah, c'est là-bas que tous les matins, je déjeunerai. Quoi? Ah ouais, c'est vrai ça.
Ouais, mon gars. Chez les F4L, là. Non, non, c'est nous, c'est nous. C'est nous, mon gars. Tout ce bloc-là, là, Chamberlain, c'est à nous. Ah ouais? Ouais, on va s'installer d'ici 2 jours max. Vous me laissez juste le plaisir d'enculer les... Oh, ça y est. C'est un petit chez les F4L, tu sais. C'est pas la flotte, on fait ce que tu veux avec lui. Nous, on s'en bat les couilles, on les connaît pas, tu fais ce que tu veux. Ils vont venir dessus, t'inquiète. Non, ils vont pas venir, mon gars. Non, non, t'inquiète pas, c'est déjà réglé. Je plus jamais de ma vie. Ouais, pas lourd. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu comment t'arrives? Je vais faire des arrêts cardiaques, c'est pas possible. Ah, mais c'est dur, ça m'a trop fait flipper, moi aussi. J'ai failli canner le premier. Oh, très. Quoi? Tu vas aller demander gradé ou pas? Bon, vas-y, balance un kit, crème, je prends la primo là, ici. Non, j'aime bien, ça va bien, et ça vient avec ta tête en plus, avec ton flou. Ouais, super, balance un kit. Ouais, c'est sympa, la coupe, ça te va mieux. Merci, mais t'es sérieux? Ouais, je prends autre chose. Bah ouais, mais le truc, c'est que ces trois là, en fait, c'est les mêmes, je sais pas laquelle est la bonne. Ouais. Attends. Regarde les plaques. Ah, au pire, vous tapez dedans un coup de marteau. Je sais pas laquelle est la... Mais non, pas la primo, c'est la seule qu'on est sûre, tape la pas. Ah merde, pardon. Putain, en plus d'être violent, il est bête. Aïe. Oh putain. Non mais c'est vraiment... Wesh. Oh, il va t'enculer. Pardon. Oh, il va l'enculer. Vas-y Naya, saute. Comment ça saute? Saute dans les meutes. Café. Vas-y, fais les rentrer. Ok, se me calme. Allez, on sirote. Renverse-lui du café, saute dans la gueule. Il est plus très sourd, mais si t'as une petite soif... Tiens, Naya, je te donne une mission, on va crocheter le bowler au fond à gauche. T'as essayé, mais... Je crois que c'est le même que celui que t'as pris, très. Arrête. Ah, je crois que c'est... Ah bah... Putain, mais il me pète les couilles. Voilà. Mais au pire, donnez-moi un marteau, ça casse les vitres, hein. Tiens, un marteau, il m'a donné dessus. Vas-y, je vais tout péter. Merci bien. Merci. Voilà, crève les pneus et tout. Doucement. C'est super long de crocheter. Ah oui, bon, ça se fait pas tout seul. La dernière fois que t'as fait ça, ça me rappelle un souvenir avec les keufs. Tu peux arrêter, tu vas entendre un bip. Ah, bah le crochet s'est cassé. Voilà. Ah, lourd ton bip. T'en as à gauche, alors t'en as un autre. Putain, c'est en gros, faut que j'arrête au bout de combien de temps? En vrai, à peu près. Bon, enfoiré. Vas-y, Naya. Tiens. Vas-y, frappe. Non, là, tu vas tourner à droite. Ouais. Frappe de toutes tes forces. Ouais. Vas-y, imagine que c'est coff. Vas-y, avec tout ce qu'il t'a fait. Tiens, enculé de titou. Tiens. Faut rigoler. Allez, on casse tout. Rayez la carrosserie, tout. Dans ta gueule, avec ton bandana. Arrête. Arrête. Laisse-la casser les voitures. Exprime ta haine, allez. Culé. Merde. Putain, bande de voleurs de voitures, va. Exprime ta haine, vas-y. Paul, t'es même pas le droit de t'appeler Tata, enculé. Les casser tout. Voilà, casser tout. Alors que Titou s'est senti. Ils auraient pu t'appeler gros chien de la casse. Ouais, c'est vrai, c'est valide. Ouais. C'est bon. Chien, enculé. Allez, ouais, voilà, c'est la même merde. Vas-y, casse tout. Vas-y, viens deux secondes. Il y avait un... Oh putain. Pardon, Titou. C'est bon, je me suis bien défoulé, ta mère. Non, franchement, c'est bien. Moi, je vais rien te faire parce que t'as exprimé ta haine de façon artistique. Je peux rien te dire, mis à part que... Aïe. Non, arrête. A dit à Koff de l'appeler, au pire, Koff, il a pris son hume. Vas-y. Oh, Koff. Zur, il répond pas. Appelle le mec, il lui répond, mais il lui raccroche au nez à chaque fois. Et nous, on va l'attraper, on va le cercer, mon gars. Et plus triste. Il va lui demander peut-être que t'as eu mon hume. Et ouais, tu crois qu'on est con. Il va pas répondre. Ouais, et il casse les couilles de la vie de ma mère. Moi, il répond, il a juste dit une fois, ouais, je reste dans le véhicule. Et après, il a dit ouais, quoi, j'en ai marre, on me fait tout le temps casser la gueule. Bizarre le bout. Bizarre, vraiment. Viens.
Non, tu vas encore me taper. De toute façon, c'est ça son problème. Il est violent, puis après, il a des remords. Par contre, entre vous et moi, c'est de la merde de pouvoir la violence, que pour une personne. Hein. Oui. Allez, il y a les cops. J'ai rien compris. T'as assez, Inaya? Ouais, mais je crois que. Que Thibaut, il se roulait doucement parce que je crois qu'il est pas tassé. De toute façon, t'as contre, pas roulé vite là, tu vas tranquille. Eh, hey, mais du coup, vous êtes pas là au billard? Bah non, du coup. Oh, il y a eu quoi? C'était fermé? En fait, on s'est arrêté au pont Sobis et on s'est fait voler la voiture. Ah, ok, ok. C'est vraiment des bâtards. Hein. Mais par contre, les autres, ils sont. Ah, mais je crois que c'était pas pour nous parce que je viens de voir les cops en face. Attends, je vais retourner là-bas. Doucement, de toute façon. Merci Fixtouz, bienvenue, comment tu vas? Re Axel. Mais il est encore là-bas. Ouais, c'est bon. Bah, il vient de pisser là, il est parti pisser. Bon, c'est comment ton poteau là? Il répond pas, frère. Quand je l'appelle, il répond, il me dit allô, après il raccroche. Est-ce que t'arrêtes pas de me faire casser la gueule? Non. Je te fasse une formation pour niquer des mères, Inaya. Mais non, parce que c'est la mère à coffre que je veux niquer. Bah, c'est pas grave. Eh, si je t'ouvre le coffre, tu peux rentrer dedans. Je crois que j'ai capté un truc. C'est bon, t'es là, Thibault. Non. Carré. Quoi? On a cassé les véhicules. Hein. Je vais pas passer par 4000 chemins, mais je crois qu'il sait que vous voulez le péter. Hein. Vas-y, imagine bien. Comment tu veux un truc de balle? Si je veux le péter, je vais moi-même. Putain, on va nous-mêmes. Ah, ça m'énerve. La même couleur que la primo. Du violet. C'est pas du violet la primo. C'est du bleu ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais t'es sous substance. Gros, t'es en train de dire que c'est un ballast qui a pété notre primo? Non, mais je crois qu'il est défoncé, le collègue. Ouais, voilà. Il s'appelle comment ton pote là? Despi, je crois. Un bail comme ça. Despi. C'est un ballast qui a pété notre primo. Je sais qui, Despi? Non, c'est qui? J'ai déjà entendu ce blaze au Belize. Bah, c'est un gars qui. C'est un albinos. Un albinos, ah, c'est un ballast. Oui, c'est le ballast albinos. Mais c'est bon, je vois c'est qui alors. Bah, c'est bon, mais on va le tirer. Ah, c'est T-Rex, jure. Et c'est lui qui nous a pété d'un primo. Oh le bâtard. Bah ouais, ça va. Ça va. T'as son numéro, Thibaut. T-Rex, tu as fait l'erreur d'arriver sur ce chat. On va te casser les burnes. Au courage, force à toi. Mais viens, on va GS. On me casse les burnes avec ton perso. Ouais, chut, ouais. Ah, ça assume moi là, la Farita Salou, là, Ophélia là. Parce que la voiture c'était à nous. Ça assume moi là, hein. J'ai carrément envie de rentrer dans le chamberlain là. C'est à nous, c'est chez nous. Oh, pas encore. Youkov, la tête de ma mère rentre dedans. En deux jours, on s'installe. Bon, lui, vas-y. Et bah, vivez à pied. Tu vas entendre tirer, mon gars. Quelle erreur. Je te jure. Je ne peux pas faire une blague ou un truc à ton perso sans qu'il me fasse chier. Je te jure, ils me font chier avec toi. M'en fous, de toute façon, je suis un bonhomme. Ouais, bonhomme, ouais. Il arrête pas d'aller dans le chamberlain, c'est con. Merde. Oh, Grognard, c'était où? T'es sur le trottoir. Lequel? Bah. C'est des feux rouges. Ah oui, t'es là, mais qu'est-ce que tu fous? En fait, je voulais y aller à pied et puis je me suis essoufflé, alors je me suis assis. Bah, je t'aurais bien dit de monter, mais tu peux même pas, j'ai crocheté, elle est fermée. Mais c'est vraiment de la merde, hein, ces voitures. Mais bon, on est au téléphone, attends. C'est pas... C'est vraiment de la merde, hein. J'ai crocheté, mais tu peux pas rentrer, genre. Bah, c'est... Oui. Attends, lève les bras. Ah non, je peux pas te porter. Ah non, je peux pas te porter. Vas-y, viens, on va là-bas. Ça me fume trop, nos persos. Même moi, ça me fume. Quand on va se voir, je fais grosse pute.
Ça va toi, Zap? Comment ça va, Zap? Ça y est. C'est... On est là, tu fais quoi? Merde, vous regardez pas où t'allais. Ah ouais, t'es là. Heureusement, tu m'as dit parce que j'aurais couru jusqu'au casino, frère. Hey, t'as vu la terrasse ou pas? Là, elle est où? Attends, bah viens. Dur, tu l'as pas vue. C'est que dinguerie, hein, vraiment. Je vais prendre mon petit Nesquik là-bas, hein, tous les matins, j'en ai rien à foutre. Gros feu, pute. En gros, je vais t'expliquer. C'est juste là. T-Rex. Voilà. En gros, petite terrasse privée. Ah ouais, trop bien. Et ouais, là une petite scène, tout ça. Ah sympa. Ouais. Et tu nous inviteras, on mangera le croissant. Mais c'est pas une terrasse. Bah pour moi c'est une terrasse. Oui bon, c'est une terrasse à partir du moment où il y a un sol, une table et des chaises. Ouais, c'est vrai. En gros, c'est leur nouvelle obsession. Ils veulent trop que mon perso Inaya, elle se mette en couple avec ton perso T-Rex. Genre ils sont... À chaque fois que je fais un truc, c'est oh, elle parle à T-Rex. Oh, direct elle va voir T-Rex. Trouver ça son futur appart. Elles sont dans l'abus. C'est pas. Elle trouve jamais où c'est. Attends. Mais tu cherches quoi? Tu cherches quoi? T'inquiète. Ah mais il cherche une piscine, non? Pas du tout. Ah bah non, pas du tout. C'est comme si je dis vous en train de dire que vous voulez voir Bloody et Brooke c'est ensemble, pas du tout. C'est... Après, vous voulez un peu me caser avec tout le monde, hein, mon perso, vous voulez le caser avec Bloody aussi. Bon, la piscine, il n'y a pas d'eau. Ouais. Mais c'est pas ça que je voulais te montrer, viens voir. C'est quoi? Pourquoi il n'y a pas d'eau dans la piscine? Je sais pas, faut voir le concierge. Mais ça me rappelle une histoire, ça. Attends, c'est... Ouais, ça te rappelle une histoire, hein. J'ai un peu l'impression d'avoir déjà dormi sur un toit similaire. Ah ouais. T'as déjà dormi avec ces persos-là sur le même toit dans un autre serveur. Il y a un trou dans la porte, là. Quoi? Ado, T-Bone. Viens vite, il est là, viens. Ok, viens, venez vite, il est là. Tu me dis c'est lui, est-ce que c'est lui? Mais c'est pas... Je sais pas si c'est lui, on l'a pas vu. Il l'a pété dans notre dos. Venez, on va voir quand même. Vas-y. Bah venez, on arrive. Oui, un peu. Okay, ouais, drôle, elle le pire couple de Los Santos. Ah bah là... Le portail. Alors cette démarche-là, elle est bien, mais je cours toujours au ralenti, moi. Et toi, t'as pris de la voiture? On t'a vu. Attends, c'est un balas. Comment? Bah, et voilà, tu viens de te crier tout seul. Ah, comment il t'a niqué là? Il était même pas là, frérot, hein. Tu viens te griller tout seul. Ah ouais, gros, vas-y, c'est ça qu'il veut, je m'en bats les couilles, donne-moi, tu veux combien, tu vas payer ton truc, et on va faire le clochard ici, tiens ton argent, je te le donne. C'est pas l'histoire de clochard, pour vous, c'est l'histoire seulement de gestion. T'as piqué la voiture, tu vas avoir ses couilles, tu vois. En plus, c'est notre voiture. Il est un petit peu arrogant, ce jeune homme. J'ai aucun de vos véhicules, je sais pas de quoi tu me parles, j'ai aucun de ton véhicule. C'est bon ou pas? Je t'aurais déjà donné. Tu viens de le dire. Et tu viens de te cramer, hein. Tu t'es cramé tout seul. Tu viens de te cramer, frérot. T'as dit toi-même comment vous avez pu me voir, j'avais un masque. Tu viens de le dire toi-même. Eh ouais. Et quoi? Et je t'ai pas dit que j'étais dans un véhicule comme ça. Et tu l'as dit au téléphone avec lui en plus. En plus, ouais. Salut Ina, ça va ou quoi? Ça va. Dis, ça dirait qu'on se voit tous les deux? Ouais. Mais pour enterrer la hache de guerre. Je pense qu'elle est bien enterrée là. Non, mais elle non, est allez, bien, allez. Bien. Mon petit cœur il est brisé quand même. J'ai pas trop envie. En fait. T'as pas envie de me voir? C'est pas ça. Si, en fait, mon ami, j'ai envie de le voir. Mais je sais pas si au téléphone tu me dis viens, on se voit pour me faire un guet-apens. Mais non, mais oh là là. T'en sais rien. J'ai plus confiance en toi, je te le dis. Attends, parce qu'il y a deux. Putain, il y a deux gars qui me suivent. Je suis cassé où, gros? Et qui? Mais je sais pas là. Ils disent ils ont faim. Non, c'est ma meuf. Quoi? C'est bon, t'inquiète, avec moi. Ouais, vas-y. Pas confiance non plus. T'es pas chaud en ce moment, à un moment. Je te laisse encore quelques jours si tu veux. Ah, tu me manques, Ina, tu me manques. Bah, tu me manques, ouais. Ne diterre pas, hein. Mais comment ça, tu dis déjà pas? Moi, je t'ai rien fait, moi. Comment ça, tu m'as rien fait? T'es venu assister à ce qu'on brague, genre. Oui, moi, c'est ton ami ou je suis genre. En fait, c'est une connaissance, genre.
Non, mais non, mais non. Ah voilà, ah ouais, bah moi, donc là, tu m'as friendzone là. On est amis, tu m'as friendzone. Comment ça, c'est friendzone? Ah ouais, t'as dit. Ah bah arrive, papa, c'est bon, c'est bon. Je peux. Non, mais t'es en train de me faire le mec qui prend mal alors que t'as participé à mon braquage, genre. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, mais c'est bon, encore une fois, friendzone. Vas-y. Non, mais vas-y, mais c'est trop, toi. Vas-y, je suis dégâts mort. Ah pfff. Shit, hein. Vas-y, je te laisse encore un peu y réfléchir. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, j'ai beaucoup envie de te voir. Hein. Ouais. Ouais. Bah allez, passe quand même une bonne soirée. Hein. Ouais, toi aussi, bonne soirée, fille. Au revoir. T'es belle. Tu casses les couilles. En fait, il m'énerve parce que Nook, c'est un joueur que j'adore. Et ça me manque de jouer avec lui et Johnny. Mais... Non, c'est bon, c'est tout, c'est juste à 4. Je t'avoue, j'aime bien les paires, hein, j'aime bien les paires. Tu vas encore me taper, c'est ça? Non, là, pour une fois, c'est pas pour taper. Tu vas m'insulter? Inaya. Oui. Quand je te tape, ça me fait pas plaisir, parce que tu sais très bien que ça me fait mal. Parce qu'il y a force, tu vois, claque, et tout ça, ça fait mal à la main. Ouais. Mais... Je crois que ça te faisait mal au cœur, mais ça te fait mal à la main, ok. Non, ça me fait juste mal à la main, mal au cœur, j'en ai rien à foutre. Et ce qui me fait chier, c'est que je te tape tout le temps et que tu comprennes pas. Moi, si je te tape, c'est simplement parce qu'il faut que tu comprennes qu'il faut pas que tu m'appelles n'importe comment, qu'il faut pas que tu me prennes pour je sais pas qui. Kof, c'est très très bien. Pourquoi tu m'appelles Tata, Titi, Toto, Toti, Tatou? Mais parce que c'est bien. Pourquoi? Moi, j'aime bien t'appeler Titou. C'est quoi déjà ton surnom, là? Titou, voilà. J'aime bien t'appeler Titou. Ça veut... Imagine, on est en rendez-vous avec des mecs, un cartel de la mafia. Et bah, c'est ça, Titou. Si je te suis soit Titou, ça passe. Non, on stage, je là, c'est les cops qui vont arriver. Ah. Viens. Ado. Ah, c'est bon, t'es là. Ah. Non, t'es là, viens. Ah, prenez les voitures. Prenez là. Oh, Kof. Attends, demande au bout qu'il ne sait pas venir avec nous. Parce que c'est un... Mais Kof, je crois, il a. Ouais, mon gars. Ouais, avec son durag là. Kof, il a crash. Putain. De toute façon, il a sa chop, hein, le mec à gauche là. Ah, ouais, c'est vrai, il a sa voiture. Ouais, mais il faut attendre Kof, les gars. Hein. Il est où? Non, vas-y, Kof. Ah, il est parti pisser là. Hein. Ça fait 20 ans, il est parti pisser, wesh. Ouais. Mais non, mais Kof, il était en train de parler avec moi, mais je crois qu'il a mal au crâne. Ah, oui, là, à l'instant, il était là. Merci, Thoram. Eh, mon gars. Il a pas la même manière de t'engueuler que pour T-Rex, moi je te le dis. Il est en train de rager parce que j'ai voulu l'appeler Tata. Il a dit non, du coup j'ai trouvé plein de surnoms et tout. Et au final je l'ai appelé Titou. Et du coup il a le démon. Parce que je l'appelle Titou. Et du coup il a pas de me claquer, donc j'ai fait genre je boudais. J'ai peur IRL des fois. Moi il m'engueule pas, ça va. Par contre il me tape. Grognasse. Ouais. Désolé, ça valait ma salive. Ah, t'es en train de boire, ouais. Non. Je t'ai entendu déglutir carrément. C'était carrément, une grosse salive. Oh, Inaya, tu cries de fou. Oh, j'ai carrément. Pardon. Donc, je vais vous envoyer une pause, il y a un bug qui s'est fait éclater tellement c'est une victime. Vas-y, merci. Mais la vie, je vais l'appeler Titou. Oh le bâtard. Ah, lui là. Ah non, lui c'est. Old Kof, il met sa vie là un peu. Il s'appelle Despi. Salut Yao, ça va? Un truc à manger? Oui. J'ai faim. Je l'ai pris dans l'entrepôt, viens. Oh, j'ai faim. J'ai pas envie de salir la voiture. Dans la voiture hein. Non, j'ai pas envie de la salir. Mais quoi? Tu la manges dehors, non. Sinon je te démonte ta gueule, t'as compris? Ok. Ninou. Non, Ninou, c'est un pote à moi. Ah, bah tu conduis apparemment. Non. Tu okay. Conduis, non. On a pas les sous pour les funérailles. Ça va nickel. Ah, Baron, tu y viens, Kof, ou on se casse? C'est pas, Salut Sarah, comment tu vas? Eh les gars, on se mettrait pas un petit coup de ces manèmes là? Attends, mais c'est pas, il fait quoi?
Ah, je sais pas, tu sais, il a eu mal à la tête, il est allé chercher un Doliprane dans la pharmacie. Oui, j'en étais sûre. Attendez sa petite pub là. Et ouais, en plus qu'on vient de planter l'autre mec là, faudrait pas rester sur les lieux. Dis bonne nuit les bougs, hein. Bonne nuit, bonne. Écoller mes baby. Après. Je te vois plus dans mes pour toi. En ce moment, ouais, c'est compliqué. J'étais en travaux et tout, c'était un peu compliqué. Non, t'inquiète, je vais. Moi, je vais. Bonne soirée, tout le monde, bonne soirée. Des ennemis. Des bisous, T-Rex. Ça, ce sont des ennemis. Hein. Un bon ennemi, c'est un ennemi dead. Un réel, hein, pour le coup. Dead. Ouais, bon, bah, écoute. Non, mais en ce moment, j'ai pas beaucoup posté, mais il faut que je repose des moments de jeu aussi. Ah, la température est agréable. La clim dans la. Ah, attends, s'il va me percuter, sinon. Ça sent toujours le manioc. Vraiment? Je l'ai pas qu'est bras. Ouais, tu sens le manioc. T'es pas fait quoi ton Zeldoot, mais t'es le manioc. Ah, apparemment ça pue le manioc ici. Oui, c'est son Zeldoot, il sent le manioc. Mais je comprends toujours pas si c'est une insulte ou pas, parce que le manioc c'est une plante donc. Bah disons que tu sens pas la banane quoi. C'est un peu un contresens quand même. Ina, Thiago, au-dessus de tout. Mais Ina, elle a pas été en couple avec Thiago, elle a été en couple avec Sand, Thiago. Mais Thiago, oui, elle l'avait en pote. Ina, elle a été en couple que deux fois. Elle a été en couple avec Santiago, à l'époque, sur Sony. Elle a été en couple avec Mini. Bon. Dans ma bio? Ah bon? On fait quoi? On attend ou... Enfin ouais, elle a même pas été officiellement en couple avec Mini. C'est vrai, elle a même pas été en couple avec Mini. Bah, c'est pas. Vous avez craqué. Vous les mettez en couple avec tout le monde. Avec Koff, avec T-Rex, avec Bloody. Ah, l'entretien dans les toilettes. J'ai pas touché. Et quoi? Koff? Koff? Attends, mais attends. Non, arrête. Wesh. Arrête, Thibaut. Ah, dis, monte. Comment ça, dépêche parce que. C'était dur le réveil. Ça me casse les couilles, c'est bon. Je vais te parler en fait. Vas-y, je te suis, Thibaut. Du coup, finalité de l'histoire, pourquoi il s'est fait planter? Qu'est-ce qui s'est passé? Charo. Hein. Encore assez calmé avant Charo. Ah non. Oui, si, on l'a fait hier avec Monsieur Laurent. C'est qui ça? C'est qui, Monsieur Laurent? C'est un médecin super cool. Monsieur Laurent. Moi, je suis en instant de tirer un peu. J'ai un médecin encore. Ah, là tu me tapes là. Mais vas-y, comme ça en plus ça va nous entraîner. Vas-y. Et en gros, du coup, finalité de l'histoire, le mec il a dit que la primo elle était chez les decks parce qu'il s'est fait péter avec. Que comme par hasard il connaissait personne, il a filé 500$ et après il est venu nous insulter parce qu'on avait crevé les pneus donc Trail l'a planté. Et quel moment il insulte lui? Genre il a dit ouais, vous êtes des énormes gamins, cassez-vous de chez moi. Bande d'enfants, je sais pas quoi. Bande d'enfants, fin cul, c'est toi qui à la base a volé la voiture. Donc voilà. Après, on sait pas si c'est vraiment lui qui a volé la voiture. Si, si, il l'a dit. Il l'a dit. Mais il a dit une crise. Non. Il a dit que c'était au magasin en face du chantier, frère, il l'a dit. C'est pas un pote qui allait lui chercher, je sais pas quoi. Bah, si, c'est son collègue en gros qui a volé la voiture. Et son collègue, comme par hasard, on lui demande c'est qui. Il nous dit ouais, je sais pas, il était masqué. Et quand on lui dit bah, genre tu le connais pas, il me dit non, je me suis fait arrêter avec lui et tout. Et du coup, T-Bone, il lui a dit bah ouais. Comme j'ai dit au Comico, t'es censé enlever ton masque. Ouais, bah voilà, bah t'étais là alors à ce moment-là. Et en gros, bah en fait, tout ce que t'as loupé, c'est quand il nous a insulté nos mères. Ouais, Santiago, elle l'a dégagé. Pour la Inaya, je l'ai vu se replanter et après, pouf. Fermez la voiture. Bah voilà. Avant qu'on se la fasse voler. Putain, mais laissez-moi sortir, bordel. Pousse-toi, Koff, pousse-toi. Ah, donnez pas une arme à Inaya, hein. Mal à la tête. Inaya. La vie de ma mère, je me suis flop dès le début. Saute la barrière et mets-toi là-bas au fond. Quand c'est moi qui va tirer, t'inquiète. Ah ouais, c'est cool. Ok. Je vais tout faire pour pas te louper. Mais dommage que c'est... Tu vois, t'es pas gentil.
J'ai fait un... Tu vois, t'es pas gentil. Dire, il y a quoi, Inaya, il fait quoi encore? Il vient de me dire, mets-toi au fond là-bas quand c'est moi qui vais tirer, je vais pas te louper. Ah ouais, je vais 33, je veux dire, je vais te louper. T'es bon. Et vilain, dit tout. Ça escalier. Et qu'un jour, elle risque de péter les plombs et de t'empoisonner dans ton sommeil, hein. Quoi? Ah, c'est possible. Elle sait même pas comment empoisonner quelqu'un. Si, tu mets du jus de raisin avec de la banane. Bah voilà, tu vois. C'est dégueulasse. Et quand tu mets une pointe de singe, de sel, c'est voilà, encore de, pire. De singe, ouais. Non, de sel, de sel. De mettre une pointe de singe dans ton verre. La sueur de babouin. Ouais, c'est ça. Ah, ça m'a dégoûté, là, la sueur du babouin. Tu veux pas du jus de chat dans ton verre? Ah, non. Je suis plutôt possum. Ah putain. Moi je préfère les ratons laveurs. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ah, les raccoons. Les raccoons. Oh putain. Cul des raccoons. Le cul des raccoons. Oh putain, comment on a fait pour oublier ça? Bah j'ai pas oublié, je viens de te le dire. Oui, bah tu le ressors comme ça d'un coup, c'est que t'avais oublié. Bah non, c'est que c'était pas propice à la discussion avant. Ouais, mais même fallait dire, tu viens me voir, salut Naya, cul des raccoons. Genre je t'aurais dit comme ça, genre en disant bonjour. Oui. Le cul des raccoons. J'ai la grosse ref. Putain, ça date, ça. Ça va, ouais. Et toi, Sky? Tu sais rouler? Rouler quoi, des oies? Sur les modos. Non, et rouler. Le... Salut, Mal Désert. Comment ça va? 9,1, Inaya. Ah oui, tu sais rouler? C'est beaucoup. Rouler quoi, ouais, en voiture? Il faut rouler, madame. 40 secondes. Ah, mais ça roule pas trop, c'est pas en descente. Vas-y, Inaya, fais. Quoi? Ah, non, mais donnez pas une arme à Inaya. Mais moi, j'ai pas envie de tirer. Ouais, mais... En fait, Inaya, elle va nous tirer dessus si vous lui donnez une arme. Bah, essaye, Brooks. Vas-y, non, trop tard. Il y a un problème avec Zoop, là. Tu l'as battu 32. C'est quoi, Zoop? Bah, Zoop. Zoop, ok. S'enregistrer, je m'enregistre. Bah, non, je suis déjà Brooke. Je suis Brooke. Bah, oui, bah voilà, tu cliques sur toi. Je suis Brooke. Putain, je suis un vrai ricain. Merci, Sarah. Waouh, c'est beau. Viens dans la route, tu repars comme la selle. Mais tu vois les photos ou pas? Ah ouais? Moi je les vois pas. Yakov, il a mis sur nos murs de Chamberlain 16 blocs, on t'a dit. Merci, Bah alors quoi? 30 secondes. 30 secondes. Ma gueule, 30 secondes. Vas-y, je vous bats, moi, poussez-vous. C'est un menteur. 30 secondes, la vie de ma mère, 30 secondes. Wesh. Non, en vrai, c'est possible, frère, j'ai fait 32, t'as fait 33, wesh. 30 secondes non, et... Non, j'ai fait 39. 29, la dernière fois, 28. 30 secondes et 914 millièmes. Ouais, je vais pas te mentir. Mais... T'allais dire, Hugo. T'as honte de pas savoir tirer, hein. Tibone. De savoir faire Oh, Tibone. Non, en vrai, je peux pas t'expliquer pourquoi, mais. Disons que j'ai pas les bras bien assez bien, tu vois. Ouais, Tibone. J'ai compris. J'ai posé mon bigot faut sur. Que... Faut ah, que. Mais là, on peut voir le classement, faut que je m'adapte avant. Au tapis Wesley. Wesley. 29,830 et encore, ouais, j'étais pas chaud. Hein. Ouais, mais regarde, j'ai fait 30 secondes, mais il me croyait pas. Ouais, bah 29,830. Marty, il a fait 17 secondes. Et où, tu m'énerves. Tout en haut, avec les médailles. Tu peux faire quoi? Je t'énerve, alors. Marty, 17 secondes. Et regarde, mais je vais les battre. Je vais m'énerver. Vas-y, te laisse pas faire, vas-y. Je vais m'énerver pour de vrai. Allez. C'est ouf, hein. T'arrêtes moi, maintenant, c'est sinon je vais m'énerver pour de vrai. 73, faut que je batte. Wow, ça va être chaud. Qu'est-ce qu'il se passe? En vrai, si je mange un peu, je débat. Pousse-toi, Inaya, du soda. Où ça, du soda? Du soda. Du sprunk. T'as de la chance, il y a du soda, Kof. Putain, ouais, t'as de la sens. Yeah. Comment ça bah, je prends un sprint. C'est quel genre de pièce qu'il faut mettre là-dedans? Bah, c'est une pièce de dollar, il est con. Merde, tu comprends. Hey, il est où le tableau? C'est marqué où? Il y a la tablette là-bas sur le. Pourquoi vous la êtes table. Tout ça, on peut prendre à boire? Mais je veux, mais. Putain, c'est. Ouais, voilà. C'est pas compliqué, attends, bouge-toi. Au pire, prends-la. Ah, coucou là. Oh, zure, mais c'est pas réussi. Je suis 108ème, frère. Ah oui, je suis 8ème avec 29,800. En vrai, c'est chaud. C'est impossible. Mais 19, la vie de ma mère, je suis dans le classement. Deux essais, je suis dedans. 27 secondes. Putain, t'es bon. Ok, ah bon. J'y vais, je vais les détruire. Ouais, ma mère, elle est encore mal à la tête. Hein. 19 secondes, c'est. Ah, c'est bon, j'arrive pas.
Ma pièce, elle veut pas rentrer. Moi non plus. Mais tu dis enfin, quoi, si. T'as un coca. Bah ouais. Oh. Coffee, prends-moi une canette, s'il te plaît. Mais ça marche pas, cette connerie de merde, là. Inaya, tu me peux prendre une canette, s'il te plaît. Ouais, attends. Savoure la tienne et puis... Prends-en moi une, tiens. Tiens, je te passe la monnaie. Tiens. Je te la mets dans ta poche. Voilà. C'est bon, tu regardes. C'est bon, il a réussi. Ah, c'est bon. Merci, Kof. T'es un bon. C'est beau, maintenant. Viens vite. Ah, mais je savais pas. Ok. Putain, t'es bon. T'es fait cul sec. Non, mais alors moi, les trucs comme ça, les frères, j'adore ça, genre. Dans une semaine, vous me voyez promis, hein, je vous le dis. Hein. Mais écoute, t'as vu, là, c'est bien de faire des scores. Ouais, mais dans la rue, mon pote, faut être là. Dans la rue, Potter. Mais la tête de ma mère, même toi, je t'encule s'il faut. Oh, si demain, t'es contre moi, une balle, pas deux. Mais viens, là. Mais déjà, je te jure que viens, c'est la règle à deux, je te jure que tu me baisses pas. Mais de comment. Parlez à Thibaune. Eh, parlez pas trop faux, hein. Mais même à Thibaune. Tu me parles au point ou on parle aux armes? Bah, aux armes, poteau. Mais je te détruis, frère. De toute façon, vas-y, viens, on essaie tout à l'heure. Mais non, on va pas se tirer dessus, ça va pas la tête. De toute façon, nous on est des hommes, on se bat main nue. Main nue ici. Non, on se tire pas dessus, je tire pas sur mes potes. Vraiment, je tire pas rien. Non, je tire pas sur mes potes. 23 secondes. Oh le bâtard. Ouais, on tire sur la concu. Attendez, mais vous, attendez. Genre, vous faites les bâtards à rafale comme jamais, genre? Non, moi je tire, mon gars, faut tirer. Mais tu vises. Ah là, tu tires. Là, je parle là ou. Ouais, parce que là, en fait, c'est qu'une histoire de temps, frère. Je rafale comme jamais, ouais, voilà. J'ai essayé, mais non, quand je rate des balles, ça fait perdre du temps. Et ça? Ouais. Ouais, elle a pas l'air super chaude, donc... hein. Non, mais attends, il a rien dit là. Hein? Écoute, c'est pas compliqué. Donc moi je te disais... C'est combien, Kof? 23 secondes. Combien? 3 secondes. Il y a le truc sur la tablette là, tu peux voir de toute façon. Non, c'est complètement faux, j'ai fait 33. Ah, moi j'ai fait 23, 26 là. Il y a un mec, il a le même nom de famille que moi, putain, c'est un cousin éloigné ou quoi? Donc, ça me fait pas plaisir de te frapper parce que tu vois, ça me fait mal à la main. Ah, bon, j'avoue, t'as vu, je t'aime bien, j'ai pas envie de te frapper tout le temps. C'est de la famille, t'es du bloc, j'ai pas envie de te taper tout le temps. C'est comme direct, j'ai pas envie de taper tout le temps. Mais des fois, ça, je suis obligé parce que t'es trop arrogant avec moi, comme je t'ai dit. Tu m'appelles. T'es pas arrogante. Je te donne un surnom gentil. Oui, ben justement, je suis pas gentil. Je suis pas quelqu'un de gentil. Oui, mais moi, je suis gentil. Mais toi, t'es gentil. Du coup, peut-être, moi, je suis gentil. Je suis gentil, du coup, je te donne un surnom affectif. Titou. C'est nul, Titou. Enfin, mais pas Titou, c'est gentil. Je t'ai dit petit chocolat au lait de coco, justement, t'as dit non. Je t'ai dit tata, t'as dit non. Je t'ai dit toutoune, t'as dit non. Je t'ai dit Nesquik, t'as dit non. Si tout c'est bien. Si je vais pas envoyer la vidéo sur les réseaux. Quelle vidéo? Mais non, rien. T'es enculé. Mais voilà, c'est Titou, c'est trop gentil. C'est trop gentil pour moi, ça me correspond pas à moi. On se fait voir ce qu'ils font les autres. Bah, tu veux dire quoi comme truc méchant Bah, c'est, je veux pas forcément méchant, mais tu vois, Titou. C'est très bien. Titou, c'est pire. Bah, pourquoi? Parce qu'on dirait que j'ai une petite touffe. Ouais, c'est vrai. Mais Titou, c'est bien, hein. T'as une petite toux. Arrête. Oh, tu me forces encore à te frapper. Non, qu'est-ce que tu lui as fait? Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Elle m'a dit j'avais une petite toux. Quoi? J'ai pas il a dit Titou, c'est une petite touf. Alors j'ai dit Titou, c'est une petite toux. C'est logique. Faut arrêter, quoi. J'ai rien dit, c'est logique. Bien sûr que... J'aime bien la façon, c'est Titou, un point c'est tout. Bah ça sera Titou. Eh attends, il y a rien. Je veux mes conditions. Titou. Oui. Pas devant tout le monde. Parce que moi je veux garder ma street crédibilité, d'accord? Ça veut dire qu'au quartier on t'appelle Titou? Non, au quartier on m'appelle Kof. Et moi du coup, elle veut t'appeler quand? Bah elle t'appelle quand du coup? Oh, ok, au quartier peut-être, mais pas dehors. Genre là non. D'accord. Mais là y'a personne, du coup je peux t'appeler Titou là. Marché conclu ou pas? Si là, il y a personne, peut t'appeler Titou. Tu veux... C'est pas plaisir. Mais là, il y a personne. On est en famille, moi, là. C'est déjà trop. Ah, là, on est entre quartiers, là, mais... Tu peux me servir la France, s'il te plaît, si j'ai mal au bout. Ah, pardon. Merci. C'est quoi, l'arrangement? Bah, tu peux l'appeler Titou, mais qu'au quartier. Mais aussi en dehors, quand il y a personne. T'as tes chewing-gum, Thibaune. Fais tes lacets, Thibaune. Tu vas appeler qui, Titou?
C'est son nouveau blaze. C'est son nouveau blaze maintenant dans la rue. Non, je suis pas d'accord avec ça. La vie de ma mère, je vais taper Titou aussi maintenant. La vie de ma mère, c'est bon. On va tous taper. C'est pas ma faute ça. Moi, j'avais rien prévu. Ouais, Titou. What's up, mon gars? Bien. Mais tu vois, genre, c'est dommage parce que t'as une voix, tu fais peur quand tu parles. Titou gang. Si derrière, imagine, tu parles et derrière, on entend Hey Titou. Ça fait moins peur d'un coup. Je veux pas, tu vois. Oh, Inaya, imagine, on est en rendez-vous. Ouais, Titou, viens voir. Il parle avec sa grosse foule. Ouais, écoutez-moi, les gars. Bon, Titou, tu peux laisser parler Lodi. Un jour, tu vois, on pète un mec, on le torture. Je suis là, je suis en train de le menacer, de le provoquer. Ouais, Titou, tu peux venir, s'il te plaît. Ouais, ce serait incroyable. C'est vrai, c'est alors, incroyable. En vrai, Kof, ça le fait, mais Titou. Mais Titou, c'est mignon, Titou, j'aime bien. C'est ça le problème. Oui, mais c'est ça, c'est que c'est mignon, Titou. Mais c'est bon, on a mis les conditions. Oui, mais regarde, même toi, t'as une tête de méchante. Maintenant, faut que tu te trouves un nom méchant, genre. Ah ouais. Vas-y, trouve-moi un nom méchant. La pute. Oh, ouais. Ça, c'est vrai que c'est méchant. Ça, c'est vrai que c'est méchant. Pour le coup, c'est méchant. Ah ouais. Oh, il m'a fait. Tu veux pas essayer, Inaya? Attends, mais Inaya. Inaya. Ta gueule. Non, mais je crois qu'Off, il nous connaît pas assez. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il a dit quoi? Il m'a dit, ouais, va t'excuser. Genre, quoi? Maintenant, quand je t'insulte, faut que je m'excuse. C'est triste. Ouais, normal. T'as intérêt à t'excuser. Ton pétasse. Reviens là tout de suite, sinon tu vas aller ramasser les poubelles toute seule. Putain. Oh non. Ah, voilà. Et d'ailleurs, oublie pas un truc. Je suis venu, tu m'as abandonné 4 jours pour ton cancer de merde. Donc déjà... Ah ouais, bah oublie pas un truc. On était tous les jours ensemble et tu m'as abandonné pour une meuf. T'es nul. J'ai gagné. Je vais te niquer. Clipez ce moment, les gars. Prends mon bras. Mais non. Elle s'est tapé le front. Écoute-moi bien, connasse, dans ton sommeil. Parce que moi là, je viens de te voir voler. Ça, c'est pour le palmier d'il y a 6 mois. Parce que le palmier, je l'ai encore des gouttes dans la bouche que je sors à chaque fois que je me douche. Il y a des feuilles de palmier qui me sortent du nez. Attends, allô, docteur. Docteur, ouais, j'aurais besoin d'un docteur au niveau de du Amunesen de Wardog. Merci beaucoup. Les feuilles de palmier que j'ai dans le Merci Giro. Merci c'est Amine, bon. Bienvenue. Tiens bon, Inaya. Ça sera Laurent. Tiens bon, Inaya. Putain, si c'est Laurent, comment tu vas être grave contente, Inaya, en plus. Reste avec dans nous. Les 70... Reste avec Salut Galaxy. Comment ça va? Entier. C'est bien. Je suis fier de toi. Il lui a lâché, hein, c'est bien. Ah ok. Ah ouais. Non mais c'est vrai. Ah mais Flappy, vas-y, c'est mal lourd. Mais putain, mais par contre, t'étais faible. T'aurais dû me prévenir que t'étais faible à ce point. Mais t'as pas vu comme elle a tapé son front. Son front. Mais enfin, frère, elle boitait même pas. Je pensais qu'il n'y avait pas. Regarde, elle s'est même pris une tasse dans la gueule. Ça l'en fait du bruit, même chaos, cette connasse. Oh putain, elle s'est sciée dessus, quoi. Hop là. Ah ouais. Ah là, on limite. Ah non, mais elle fait ça à tout le monde. Elle m'a fait ça quand j'étais par terre la dernière fois. Bah moi, je lui rends la monnaie de sa pièce. Moi, elle m'a jamais pété dessus. Ah non, mais elle pète pas, hein. Et quoi? Ah, pas d'effet, hein. Dis pas qu'elle fait comme à Dubaï. Quoi? Comment ça? Je suis jamais allé à Dubaï, donc je sais pas. Ouais, c'est bon, t'as pas besoin de tomber 6 fois, on a vu que t'étais là. Encore faire mieux là. Une serpillière. C'est bon, on a capté que t'étais là. Hein. Merde, pardon. Oh putain, tu vas pas s'y mettre avec tout le monde. Ah putain, elle est au sol. Mais oui, mais c'est normal, elle l'a mérité. Zappelé un docteur, zappelé un docteur. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais t'es médecin? Bah non. Tu peux arrêter de chuter? Une toupée Beyblade. Putain, c'est grave ça. Un parapluie, vraiment. Un parapluie, il a dit. Ouais. Il a dit un parapluie. Tout c'est pas mon parapluie. Il a dit un parapluie. Bon, oh, mais tu es mort à ton vous... Ouais, je... Non, il l'a pas pris, je crois pas. Ouais, bien là, sûr, bien là, sûr. Ça porte ça. Attendez, il est juste là dans le grand tiroir. Ouais, ouais. Et
Voilà, mais c'est pour vous. Nickel, merci, t'es un bon frère. Payé en plusieurs fois ou... Non, je paye pas. J'ai pas envie aujourd'hui. Ah, bah, passez demain alors. Ouais, t'inquiète, ça passe demain pour rafaler ton chap au bazooka. T'inquiète. Mon SOP. De toute façon, c'est pas mon SOP. Hein. C'est pas grave, vous pouvez. Non, oh, bah ça va, tranquille, là, c'est pas le chien. Ils viennent, les médecins, ou ils viennent bah, aller au sol, dit qu'il venait. Parce que Bro qui lui a mis une Golden Legendaire. Non, mais salut Eloïd, comment ça va? Ça, faut mettre un contexte. En gros, on parlait et elle a utilisé le fait que Koff et ça va galaxie, pas notre relation pour essayer de m'amadouer. Et là, elle lui a dit ça marche pas et du coup, j'ai joué sur le fait que quand je suis arrivé, elle m'a abandonné une semaine. Et elle a commencé à inventer des pipeaux. C'est-à-dire que cette connasse, elle sait très bien ce que j'en pense sur le fait que j'étais avec mon ex la pute. Elle le sait, tu vois. Et elle sait que. Ouais, ta gueule, ouais. Et elle sait ce que j'en pense de mon ex la pute. Parce que mon ex la pute, c'est à cause d'elle si je suis avec mon. Enfin, si j'étais avec mon ex la pute, c'est pas à cause de moi, vous voyez? Non. Du coup, je lui en ai mis une, pas deux, elle s'est envolée, elle a mangé le coin de la table et elle est tombée. Abandonnée! Voilà, regarde, tu vois, même dans son sommeil, elle parle. Principe. Et là, ça fait une heure qu'elle fait la toupie en ce moment. Mais par contre, t'as vraiment appelé les médecins ou. Ouais, il m'a dit, ils arrivent. Attends, j'appelle. Moi, c'est Laurent. Allô, monsieur Laurent? Oh, c'est monsieur Laurent! Vous pouvez venir à l'armurerie, monsieur Laurent, s'il vous plaît? Oh, je vous ai. Vous êtes là dans combien de temps? Parce que à chaque fois que vous me dites un temps, vous êtes là en 10 secondes. Ok, donc c'est combien le timing à peu près? Monsieur Laurent! Let's go! Bon, je vous donne autant de temps que vous voulez, moi c'est pas mon métier, c'est vous. Ah, donc peu importe le temps que je vous donne, vous serez là dans le temps que je vous donne. Donne-lui 5 secondes. Je vous donne. Il est quelle heure? Minuit 39. Je vous donne 1 minute 56 secondes et 19 millièmes. Ouais, vous avez le droit d'être en avance, ouais. A tout de suite, monsieur Laurent. Putain, mais à chaque fois je tombe sur. Attends, mais elle se déplace en tombant, genre. Bah, c'est qui, monsieur Laurent? Je le connais pas. Ah, bah, tu vas voir. Monsieur Laurent, c'est le meilleur EMS, je pense, qu'on ait jamais rencontré. Enfin, attends, tu me parles plutôt, monsieur Laurent? Il est déjà là. Je sais pas, mais je le connais pas. Fais tes lacets, Brooke. T'inquiète pas, Inaya, ça va bien se passer. Pour se faire pardonner, Brooke devra tester un jus de fruits. Ouais, j'avoue que Titou t'a abandonné pour monsieur Laurent. Hein. Mais non, mais je suis allé le chercher parce qu'il savait pas qu'il était dedans. Non, mais c'est pas toi, Titou. Mais non, c'est pas moi, Titou. On va se parler de Titou. Titou. Mais du coup, tu veux l'histoire du vrai monsieur Laurent ou du faux? Qui, c'est lui, Laurent? Ça, c'est monsieur Laurent, c'est le meilleur médecin de cette ville. Salut, Laurent. On n'a jamais rencontré un médecin aussi efficace. En gros, tu lui donnes un timing et il est là dedans ou avant le timing, genre. Est trop fort. Voilà, là, vu, comme minuit, bah là, c'est 19 millième, il était on est en train, on est dans, ils étaient en train de tirer là. T'as vu, il est grave beau gosse. Le mieux, c'est qu'on est en hélicoptère. En hélicoptère, c'est le meilleur. Ah ouais, ouais. Dis-toi que j'ai sauté de son hélicoptère sans faire exprès. Attends, il a survécu, hein. Et non, mais c'est oh, parce qu'en gros. Monsieur Laurent. C'est parce qu'en gros, elle m'a dit, s'il te plaît, laisse-moi te porter au lieu que je la porte. Du coup, j'ai dit, je descends. Et je lui ai dit, décollez pas, décollez pas. Il a décollé et j'ai chuté. C'est super marrant. C'est le meilleur médecin de la ville, bah j'ai pas eu trop mal, j'ai juste eu une attelle à la jambe. Ouais, non, si c'est au décollage, c'était pas encore trop haut, je pense. Ouais, non, c'était pas haut. C'était au décollage au-dessus de l'immeuble, quoi. C'était pas haut. C'était pas haut. Ok. Après, elle est tombée avec moi, elle, du coup. Putain, qui défilait? De quoi? Monsieur Laurent. Ah, non, c'est parce que j'étais mort. Moi, j'ai récupéré son numéro. Quoi? Merci beaucoup, monsieur Laurent. Non, je suis un crevard. Quoi? Monsieur Laurent, moi je veux votre numéro, s'il vous plaît. Ça va aller. Koff, veux le numéro. Bah, demande à monsieur Laurent. Monsieur Laurent, on peut prendre votre num? Tenez, regardez. Ouais. Ah oui, ça regarde bien. Oh putain, oh stop! 62, 54. Bah, t'as vu? 47, 62, 54. Putain, on a le numéro de monsieur Laurent. Dites-moi. J'ai une question, c'est quoi votre secret pour arriver si vite? Par contre, ça c'est vrai, genre. La vitesse, c'est mon atout, c'est mon deuxième prénom. Ah, vous appelez non, monsieur parce que Laurent vous arrivez Vitesse super... Waouh, monsieur Laurent Vitesse Miss. Putain. T'es trop stylé, monsieur Laurent Vitesse. Non, j'ai pas eu d'appel.
Vous êtes vraiment bon, on vous l'a déjà dit ça en plus. Je crois qu'Inaya elle veut sortir avec vous en plus. Très bien. Quoi? Inaya? Laisse-moi tranquille, regarde les dessins animés. C'est vrai que tu veux sortir avec Monsieur Laurent? N'importe quoi. Bah elle m'a dit qu'elle vous aimait bien hier soir. Bah oui, elle aime bien Monsieur Laurent. Ah voyez? Non ça va. Allez-y Monsieur Laurent, vous avez toutes vos chances. Est-ce que je peux vous allez, faire bien. Une facture madame? Bah du coup vous avez plus vos sens. Mais non, il t'a demandé, t'as juste à dire non. Il t'a demandé. Non, non, ce... Trop tard, trop putain, tard, trop tard. T'as pas été... Ça y est, sur négatif. Allez, c'est officiel, tu rentres c'est dans officiel, je suis pauvre. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, je suis à moins 2006, moi. Et un filet... Pas de bêtises. Merci, du, monsieur Laurent, passe une minutes. Super bonne oui. soirée. Du coup, Brooke, pour te faire excuser, tu lui dois un jus de fruit à Inaya. Oui. Quoi ? Lui offrir en plus, un jus de fruit à Inaya. Je comprends pas pourquoi attendez, tu m'as tapé. Attendez, pause. On était en arrêtez. Train de débattre. Ok. Non, mais on va mettre les points là, sur les T et les barres sur les I. Il massine juste derrière toi, Brooke. Oui, non, mais on va mettre les barres sur les I et les points sur les T, ok ? Ouais. Inaya et moi, vrai, on a une relation assez spéciale. Quand vous m'entendez l'insulter, me dites pas. Ouais, va t'excuser. Mais moi, j'ai rien dit. Mais moi, j'ai rien dit. Moi, je m'en mais là, me dis pas pour te faire excuser. En quoi j'ai. Elle m'a... Ouais, mais tu veux un jus de fruits. Du coup, tu vas me chercher un jus de fruits. Parce qu'en fait, tu vois, vous dites ça et maintenant, mais elle va. Non, elle parce va qu'elle en jouer. Veux un jus de fruits. Attends, Inaya, tu nous avais dit que c'était ta meilleure amie. Du coup, en tant que meilleure amie. C'est pas nous, monsieur Lazan. C'est pas nous, on a rien fait. Bah oui, c'est ma meilleure amie, alors. Veux un jus de fruits. Là, va lui servir un jus de fruits vu que t'es. Mais... Allez, bro, okay, vends un jus de fruits. Bonjour, je vends un Messa 45 000. Oh. C'est gratuit, il est full ah. custom. Tiens. Salut les nuls. Tiens, voilà quelqu'un. Oh, j'ai eu un menu. Comment ça, c'est comment, trop bien. Comment ça, il nous traite de nuls. J'ai eu un menu. On m'a pas battu non plus. Et à moi non plus, on m'a pas battu. T'es fermé. Tu passes pas, toi, tu m'as jamais rappelé. Tu passes pas, tu m'as jamais rappelé. Il y a le moindre qui passe, tu... Qui ça? Oh putain. Cover. Il se passe, il y a un problème? Non, pas du tout. Je te rappellerai quand tu feras un meilleur temps que moi au tir. Hop là, eh oui, contrôle c'est... de police. Bon, on se rappellera jamais alors, salut, parce sortez que je sais pas moi. Bien, moi, mais... c'est pas de tentave. T'as combien de... Je fais pas de tentage, j'ai pas fait. Je fais pas de tentave. C'est quoi ce loser pas toi tu fais pas de chantage. Ouais, c'est pas de chantage. Toi tu fais pas de chantage. Ouais, c'est pas de chantage. Putain, 30 000, ah. Bien joué. Alors là, t'es combien toi? Je m'assois. Moi je suis. Ouais, bah assis-toi, moi aussi je m'assois. T'es combien toi? T'assois pas par terre, c'est ça. Bah la chaise elle est par terre à côté. Ouais, je fais 25. La chaise est propre. Mais pas nos pieds sur la chaise. Et bah je m'assois pas, vas-y. Mais là j'ai fait la 22. À quel moment j'ai fait du chantage? Toi, tu fais du chantage, toi. Ah bon, quand? Tu fais du chantage émotionnel. Quand? Vas-y, explique-toi. Là, tout de suite, à l'instant T, de dire que moi, je fais pas de chantage pour... C'est ce qu'on appelle du chantage émotionnel. Non, n'importe quoi. T'es en train de dire ça parce que, justement, tu fais du chantage émotionnel en disant que tu te fais du chantage émotionnel parce que tu m'as fait du chantage à l'instant. Non, là, c'est de retourner le problème, mais ça marche non, pas. Non, c'est toi qui as déjà essayé de retourner le problème en premier ouais. Parce que c'est toi qui as fait du chantage. Moi, j'explique juste la... Tu m'as dit que si... Tu m'as dit que si tu me rappelais pas, c'est parce que j'avais pas fait un meilleur score que toi. Oui, mais c'est pas du chantage. Ah donc, c'est ok. Il m'a okay. dit quelque chose. Quoi? Il m'a tassé deux fois le monsieur là. Non, pourquoi? C'est pourquoi vous dit, l'avez tassé, monsieur? Vous savez ce qu'on dit, hein. Jamais deux sans... Non. Jamais deux non, sans omelette. Alors là, je vous promets que le premier qu'il touche, le dégomme. Vous avez fait une bavure, messieurs. Vous avez tout vu. Eh, le premier qu'il touche, le mort, je vous jure. On m'appelle Lucky Lucky. Alors là, je ne serais pas aussi rassuré devant 80. Je vais vous bouffer, monsieur. Je vais vous bouffer. Mais pourquoi vous tasez? Monsieur, je vais vous bouffer. Je vous jure, je vais vous bouffer. Revenez là. Mais attendez, mais pourquoi votre taser il m'a. Il est passé où? Je sais pas. Pourquoi leur taser il marche pas ici? J'ai tout vu, c'est dans la boîte. Ouais, c'est ça, tire-toi, ouais, c'est ça. De toute façon, t'es qu'un loser, tu m'as jamais rappelé, espèce d'idiot! Ouais, cassez-vous, ouais. Espèce de goujat! Ouais, cassez-vous, ouais. T'es qu'un goujat, tu m'as jamais rappelé! Ouais, cassez-vous, ouais. Loser!
La voiture, ouais, c'est ça, ça qu'on achète ou quoi? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, maman, elle a acheté la voiture. Wesh. Ouais, il a tiré. Bande de bâtards. C'est dans le co... Attends, mais les gars, c'est qui a du sang, là? Venez, on garde la portière. C'est pas nous. Mais quoi? Mais Coff, t'as pris une balle? Non, non, c'est les keufs qui ont tiré. Mais Coff, t'as pris une balle? Mais regarde sa jambe! Oh putain! Mais regarde sa jambe! Oh non, il s'est fait tirer dessus! Titou! Appelle Laurent vite! Appelle MC Laurent! J'appelle Laurent! Titou! Mais oh non, non, non! Mais pourquoi les cops ils l'ont tiré dessus? Bavure policière! J'avais même pas senti la douleur! Monsieur Laurent, appelez! C'est l'adrénaline, Titou, c'est normal! Oh, monsieur Laurent, il m'a raccrochonné! Bon, garou! Donnez-lui un bandage! Inania, enlève le truc que t'as autour. Attends, je lui donne un papier, comme ça il va presser. Mais non, mais prends le pull. Tiens, prends mes papiers. Tiens, prends tous mes papiers. Merci. Tiens, je te donne aussi mes bons supérettes. Mais mets le truc autour de ton pull sur sa jambe. Je vois la lumière blanche. Attends, ouais. Ah oui, je fais, attends, attends. Oui. Voilà, tiens, je le mets. Bon, je me suis fait tirer dessus. Mais autour de sa jambe. Ils ont frôlé ta jambe, ils ont frôlé ta jambe. C'est un garrot. Il saigne. Elle est ressortie la balle, je crois. C'est un garrot avec mon gilet. Ok, voilà. Eh, Titou, tu me devras un gilet. Hein. Attends, mais c'est ton mec, Inania, qui lui a tiré dessus? Mais c'est pas mon mec. Bah, celui avec qui tu fricotes, là, le blond. C'est pas mon fricote. Ah bah, tu devrais arrêter de fricoter avec lui. Je fricote pas, je fricotais il y a longtemps. Oh non, Titou! C'est parce que je suis quelqu'un qui dit sois proche de tes amis et encore plus de tes ennemis. Oui, mais tu m'as dit que t'étais payé pour sortir avec lui. Non, t'es pas payé. Je vais lui redonner le sourire. Bah attends, j'appelle. Donc, on lui envoie dans le message. Il me met des bases, genre il me raccroche au nez. Je vais appeler. Salut Black Light. Tiens, appelle, t'es une meuf, il va répondre, c'est sûr. Ouais, c'est vrai, c'est que des sarraux les médecins de toute façon. J'avoue. Bon, enfin, tous les mecs, de toute façon, c'est des charros, mais... Ouais, mais les médecins en particulier. Bah non, pas moi. On va voir. Ah bon, non, allô, non, monsieur Laurent. Vous pouvez venir à l'armurerie, s'il vous plaît, il y a un policier, il a tiré dans la jambe de coffre. Oh, s'il veut pas l'insulter de sarro, celui-là. Merci beaucoup. Et attends, c'est qui a tiré, parce que là... Et il sait pas dans quelle merde il s'est foutu en me répondant, celui-là. Ah ouais, il sait pas. Attends qu'il arrive. Je vais l'attraper par le callback. Maintenant, la 42, il va lui sortir. 10 000 balles, quand même. Salut, Blacklight. En gros, ça va. Merci, Kaneki. On les a un peu cherchés, mais peut-être pas au point de tirer à l'arme létale. Merci, Didude. Merci beaucoup. On a juste tapé sa voiture. Ouais, on a mis un petit coup dans sa voiture. Ouais, mais ils ont pas de preuves. Marteau, ils ont pas de preuves. C'est des flics, donc ils disent ce qu'ils veulent. Arrête de marcher dessus, s'il te plaît. Ouais, mais enfin, un petit bon, entre mettre un coup de pied dans la voiture et mettre une balle dans la jambe à un mec. Il mesure pas le degré. Il y a une différence, genre. Il mesure pas le degré d'agression. À la limite, tu le tases ou tu lui mets un coup de matraque, mais tu lui mets pas une balle. De toute façon, ça sert à rien pour eux. Regarde l'autre pute, elle est en train de se saper pour Laurent en plus. Oh là là. La robe en cuir, en plus, ça lui fait un gros fiac. S'il vous plaît, regarde. En attendant, grâce à moi, il a répondu. Oui, bah regarde. Arrêtez de me marcher dessus. Mais c'est Tibon, arrête. Arrête de marcher dessus, Tibon. Mon sac à dos. Regarde-la moi, la sortie baby girl et tout, genre. Tac à dos. Putain, mais regarde-la moi, la baby beats. Ouf. Oh, quoi wow. Mais c'est écrit alors, baby girl. Toi, t'es pas bon, peut-être qu'elle va mal le prendre si toi tu l'as. Non, mais j'ai cru que c'était écrit baby beats. Non, mais je te jure que j'ai cru que c'était écrit baby beats. Merde, tu en dupes. Non, je te jure que j'ai cru que c'était écrit baby beats. Non, c'est écrit baby girl. Ah, autant pour moi, excuse-moi. T'es un bébé fille. Un fille bébé. Ok, excuse-moi. On dit tout, t'arrêtes ton fliquet, tu lèves ton cul. Rassis-toi, Titou, rassis-toi, c'est pour faire santé. Titou, rassis-toi, couchez, Titou. Ouais, c'est où? Oh putain. Oh là là. Non, c'est bon, laissez-le. Mon esquive, elle était trop belle. Au final, il écoute bien Titou. Oh waouh. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va super, Galaxy, merci. C'est moi qui vais prendre la patate. Non, pas du tout. Inaya, viens, s'il te plaît, j'aimerais dire mes derniers mots. Vas-y, t'écoute. On t'a tiré dans la jambe. Je t'entends, vas-y. Non, tu m'entends pas là.
Vas-y, t'entends. Non, je sens pas. T'inquiète. Mais t'es sérieux, c'est les derniers mots de coffre et tu veux même pas écouter? Vas-y, t'écoutes. Aïe. Oh putain. Mais... Oh, il t'a mis un pénalty. Par contre, ouais, c'est... T'es pas gentil, Titou. C'est mal à la jambe. Rappelle Laurent qu'il vienne pas. Ouais, bah continue et t'auras mal aux dents aussi. Quoi? Je sais pas, les races de dents, ça vient, ça part, hein, c'est tous les jours. Hein. Quoi? Pourquoi? C'est bon, pas... Bon, monsieur Laurent, il a pas l'air de... Voilà, ouais, il est pas hein. Vitesse, là. Là, il est plus Laurent que Vitesse, là. À chaque fois, le bruit de sa jute m'extermine, genre. Écoute, quoi, il tombe. Putain. Tombe. Après, on peut rentrer. Tombe, je veux écouter, tombe. Non, mais... Ah, bah, il est KO, là. Yeah. Putain, Fini m'envoyer passe une bonne soirée, il l'a avec un cœur. Il a envoyé trop de petits points. Non mais alors lui ça y est. Non, vraiment, je vais plus de sa part, hein, c'est bon. Il l'appelle lui-même genre. Laurent, je suis en train de mourir. C'est au sol, reste le charreau. Il faut assieds-toi. Que tu viennes vite, s'il te plaît, je suis en train de mourir. Assieds-toi, assieds-toi. Ah, je te donne 10 secondes pour parce venir. Que t'as voulu charron un flic. En train de mourir, je me suis pris une balle, Laurent. Ah, ah bah, il y a 88, tu viens de m'envoyer. Je m'excuse au nom de mon collègue pour le tir, ce n'était pas voulu. Merci. Cordialement. Ah. Il m'a lassé un cordialement, le petit fils de pute. Ah. Pourquoi il s'excuse? Il a dû devant une parce qu'il est tiré au taser, il a tiré au pistolet, je pense. Ouais, et il sait que si tu vas te plaindre, il va se faire virer. Ouais, bah, venez, on va porter plainte. Venez, on va porter plainte. Tu veux prendre grave du fric, hein. Ouais, j'avoue, venez, on va faire ça. Je crois qu'il me s'est fait tirer dessus au cas où, hein. Merci de me consulter avant. On parle pas plein. J'ai mis cordialement, point d'interrogation, je suis l'inconnu, moi. On prend des sous gratuits. Non, on a pas de salope. C'est non, pas mais au pire, on peut le faire chanter, le flic. Non, il a demandé un mot aussi. Quoi? C'est vrai, tu vois. Pas c'est de spoil, vrai, pas de spoil. Voilà. C'est vrai, venez, on fait ça. Eh, Brooke, il en a dans la cervelle, quand même, les gars. Hein. Inaya, envoie lui un message pour lui dire ça. Ah, il est très biscotte, il est là, il essaye de me vanner. Non, mais arrête, parce que vraiment, je peux te vanner fort. Ah bon? Ah ouais. Ah bah apparemment s'il est lancé il s'arrête plus. Hein. C'est pas super gentil. Non, les Air Max 90 c'est... Le temps est révolu frérot. Bon allez vas-y. En fait à part les vêtements t'as autre chose en stock ou... Bah je peux faire ton visage mais on va y passer des heures. Hein. Oui ok bah je l'ai déjà fait. Il faudra enlever 2-3 souquettes. Ok. Mange des chouquettes, t'as fait un maquillage de Call of Duty Ghost. Eh reste tranquille les mêmes. Mais quoi? Mais t'as quoi avec mon maquillage? Le réel. T'as mis un sac de piscine. J'ai une boîte avec toi. Mais tu vois, mais. Donc j'ai dit hormis les vêtements. Oh frérot, ouais, je te fasse pas à part tes vêtements et ton physique. Bah, je sais pas, essaye de trouver plus loin, genre. Moi, franchement, en toute c'est honnêteté. Pas t'es obligé, c'est te casser les couilles. Moi, en toute honnêteté, je suis grave serein sur mon flow. Je réponds. Et ton flow, il est encore plus approximatif que le mien? Non, je dirais pas ça, mais il devrait pas être serein non plus. Il est bien mon flow. T'es un malade. Après t'as un peu oublié de te coiffer. Non, en vrai sa coupe elle est d'art. Elle est incroyable, mais c'est un ouf. On dirait juste on a mis un tarpé dans ses cheveux et on l'a fait exploser. Ouais, voilà quoi. Bison 6. Ouais. Il a mis un pull d'otaku, j'ai envie de m'enculer avec lui. Mais tu veux t'enculer avec tout le monde. Il a un régulaire de Kiabi sans taille, genre sans coupe, il est pas coupé de jean. C'est faux. il a des Jordan 4 achetés à Wish. Là, il a dit c'est faux, c'est coupé. C'est coupé. C'est bon, Trey. Non, mais c'est bon, Trey. Moi, c'est trop de flow. La parole, c'est bon. Vous encule. Oui, bon. T'as un nappe autour de la taille, on peut faire mieux aussi. Hein. Mais ta gueule, tu m'as croisé tout à l'heure, tu m'as dit c'était trop stylé, enculé. Non, j'avoue, c'est parce que je voulais te faire. Voilà, merci. Tiens, j'aime bien, celui-là il est beau. C'est de ouf sur mon sac donc j'enlève. Non, même pas, tu es bonne, je peux pas le faire, voilà. Là, j'ai flow. Ça c'est beau, regarde en plus. Oh, regarde, on a sorti quand on se met ce haut là. Attends, faut que je le trouve. Et allez, on est reparti. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Mais c'est mort, mais... Laurent, il veut pas venir. Hein. Ouais, si, moi j'ai fait celui-là. Ah, voilà. Attends, je mets un jean noir.
Mais maintenant faut trouver le jean. C'est pas celui-là. Ah, c'est celui-là. Attends, on enlève le short. Quand il est arrivé avec son débardeur blanc et son cheval, même tout le monde là. Ouais, ouais. Il avait vraiment pas de flow à son nom. Mais attends, je peux mettre la tatouage. Non, mais mettez qu'il a toujours sa tenue, il l'a mise hier. Bah voilà. Qui vous parlez? Toi? Ben, elle est sortie là. Ouais, elle est magnifique. Ton débardeur blanc là. Ah là là, mais arrête avec franchement, ce bas. Vous êtes paré pour aller faire un clip de K-pop là. Bah et alors, t'as un problème? T'aimes pas la K-pop? Vas-y, tu veux non, te mettre plus d'un milliard de personnes à dos? Oui, je m'en bats les couilles. Alors là, comme oh ça, c'est là là là. Après, une fois, pourquoi c'est mettre à dos? Non, mais après, couleurs, la K-pop, je trouve ça à chier aussi, mais je le crie pas quoi. Je le crie tu pas. Tu viens de te mettre un million de personnes à dos! Quant à toi! Vas-y, tu vois, ça finit de juger tout ce que tu vois? J'ai pas vu. Oh, les lunettes, j'avais pas vu. C'est une dinguerie. Ah, fais gaffe, ces lunettes, c'est très qui a choisi, donc fais gaffe à ce que tu dis. Hein. Non, mais pas les siennes, celles du Naya, je pense, il parle. Ah, eh ouais. J'arrive au bout. Quoi, mes lunettes? Des lunettes 4X. Elles sont imposantes. Tu vois ouais, tes ennemis. Ouais, oui, tu vois tes ennemis en 4K ou quoi? Tout le monde. Quoi? Mais oui, on t'écoute, quoi. Donc, vous allez devant vous porter. Oui, d'accord. C'est quand tu. Allez, vas-y, force. Vas-y, bisous. Vas-y, force, dire c'est bon, hein. T'as pas. Question. Vous êtes en train de vous vanner, mais je suis en train de mourir là, ok, tout le monde s'en fout. Non, mais au pire, ouais, ça fait une heure, tu meurs, tu veux pas soit caler complètement, soit te lever. Non, mais je sais pas, c'est Laurent, il dit. Oui, Laurent, vitesse, donne-moi un temps, nanana. Je lui ai dit 10 secondes, il m'a dit, oh, c'est chaud, je suis tout seul. Non, mais de toute façon, on va lui dire, c'est un sarro, parce que Inaya l'a appelé, il a répondu direct. Hein. Inacceptable. Au pire, la balle, elle t'a juste effleuré, non, il s'est excusé en plus, le flic. Oui, elle t'a effleuré. Oui, elle m'a effleuré, mais ça fait quand même super mal. Bah non, ça va. Mais Yainaya, elle t'a mis le gros gilet autour de la jambe. C'est un bandana là, tu l'enlèves. Si elle m'a mis le gilet, ça va alors. Mais oui, elle a mis le gilet depuis une heure. Tu te couses quoi, t'as mal, je te dis. Aïe! Tu vois, c'est ça que j'espère quand on se traîne avec Brooke. T'es mon bouclier. Aïe! Arrête. C'est mon brouquilier. Brouquilier! Elle était pas mal celle-là. Déjà, qui est bien pas pour toi alors, pour deux personnes. Non, ferme ta gueule, très. Mais quoi, mais j'ai rien fait. Je sais pas, c'est là. Aïe, mais viens de les mettre. Putain, je veux mettre mes lunettes. Pas des iguales et des chaussures. On en a mis une, pas deux. Allez, ça y est. T'as entendu ce qu'il a dit sur tes chaussures? Quoi? J'ai rien dit, j'ai dit, je savais pas des iguales et des chaussures, c'est bon. J'ai pas. J'ai mais il y a des roses dessus, donc tu restes tranquille. C'est ce que joli. Vas-y, c'est bon, viens, on va te ramener à l'hosto là. Non, pas besoin, pas besoin, c'est bon, il a effleuré la balle. Laurent, tu fais un carreau avec le mandana et venez, tout. Venez au quartier, alors. Il va arriver, Laurent. Jamais venir. Moi, je suis bien, là, en vrai. Hein. On est à l'ombre, tout ça. Ah ouais, t'es bien à juger les gens, ouais. Mais je juge pas les gens. Oh, venez, le dernier. Oh, le dernier, il va dans le coffre. Oh, la tête de ma mère. Elle est fermée. C'est où? Ouvre. C'est fermé. Je veux pas dire, mais il y en a un qui aime bien les coffres. Putain, mais... Et les parsocs aussi! C'est bon, Thibaut, il est là. Franchement, je pense qu'il méritait. Hein. Mais non, Thibaut, il est prêt de sauter devant moi. C'était magnifique! C'est pas. Il a rien dit? Après, tranquille, ces grosses Air Max 80 ils se sont tankés un peu. Hein. T'as réfléchi du coup pour un date? Un date? Vas-y, montez, on y va. Moi, je vais aller dormir en fait. Moi, je vais aller dormir en plus. C'est qui ce connard qui l'a fermé celle-là? Ta gueule! Arrête! Wakeblade. Commence pas! Attends, arrête, tu peux d'ailleurs. Ouais, ton bah, j'ai tracassé. Mais ouvre! Mais pousse ta mère! Ouvre! Mais Brooke! Tiens! Non! Tiens, mes lunettes! Ouvre! Les Wallred, c'est vu. Nous, on pensait que. Ah merde! Moi, je te dis la vérité. Oh, bah, t'appelle Monsieur Laurent, t'inquiète pas, ça va bien se passer! Allô, Monsieur Laurent? Ah! C'est trop. Monsieur Laurent. Oui. Moi le vainqueur. Mais c'est trop, bah ramassez. Vous arrivez dans combien de temps, monsieur? Difficile là, il y a 10 mises appels, mais j'arrive au plus vite. D'accord, on vous attend. Okay. Arrêtez. Merci beaucoup. C'est moi le vainqueur. T'avais qu'à pas m'enlever mes lunettes. On va faire Royal Rumble, je vous ai tous baisé. Non, monte dans la top, on va y aller, si fatigué. Mais je suis t'as le pute. La tête de mer, je suis désolé. T'es une grosse pute. Putain. Tu m'entends, Brooke? T'es une pute. En plus, tu m'as abandonné pour une vieille meuf qui pue la merde. Moi,
T'as fait une meuf qui pue la merde là. Dur, pourquoi? Parce que moi je quittais la ville et lui il était en couple et du coup il m'a pas suivi. Tu veux pas rappeler... T'es mort, t'es mort. Tu veux pas... Ah, oh là là. Tu veux pas rappeler le médecin s'il te plaît? Je viens de le rappeler, il arrive. Parce que je crois que j'ai niqué la mère à Koff un peu. Tous les 5 minutes il arrive, c'est ça son problème. Il est où Koff? Là, vers la portière là. Face à conducteur. Titou. Tu l'aimes bien quand tu lui fais des caresses dans les cheveux, genre. Et tout, tu veux des caresses dans les cheveux? Ouais, non. Si, il veut. Attends. Laisse-moi mourir. Attends. T'as pas à manger pour les chiens, genre? On les balance comme ça? Attends, je regarde. Vas-y, regarde. Aïe! Tu pourrais enlever ton sacré sac de ma tête? Ah bah. Putain, pute! Il m'a tué! Non, mais on va jamais quitter les lieux, c'est fou. T'es pas prêt à ça. Bon, du coup, vu qu'on fait rien, je m'habille. Oui, c'est bleu. Attendez. C'est une baleine rouge. Okay. Après, c'est pas deux grandes pertes de fous non plus, en vrai. Hein. On n'est pas obligé de rester des deux. J'avoue, appelle juste Laurent, nous, on se taille. En espérant qu'ils viennent pas, quand même. Et mon brouclier! Putain, vas-y, j'ai du sang sous mes Zordan là, à cause de vos conneries là, bordel. Putain, en plus, c'était une nouvelle paire. Ta vieille jupe là. Putain. Attendez, faut que se danse un peu là, faut que se relasse la pression. Tiens, dis tout! Parce que c'est trop sucré. Bois un petit jus! Ah, faut que se relasse la pression. Bois un petit jus, dis tout! Putain, allez, bois ton petit jus. Quand tu mets dans une gamelle. Ah, bah j'ai pas de gamelle. Putain, Titou, tu vas boire à la paille aujourd'hui. Ah, je me sens mieux. Allez, Titou. Et bah tant pis, je vais le boire. Voilà, le sirop de fruit. Putain, je te jure que je vais t'appeler Titou à partir d'aujourd'hui. C'est plus Koff, en blase, c'est Titou. Tiens, imagine quand tu vas passer grand. Pour éviter que tu prennes le soleil, Titou, j'ai posé le parapluie. Ça fait l'air de... Tu vas faire l'ancien en mode ouais. Attends. Grosse voix, tout ça. Et ça va t'appeler Titou. Non, ça va lui mettre bien le parapluie. Vas-y. Je vais vous baiser. Tiens. Pour éviter quand il pleut, Titou. Mais je l'aime trop le parapluie, du coup, c'est pas grave, tu prendras l'autre et puis à ça près. Ah, je t'ai ramené des croquettes, tiens. Brooke, tu veux prendre l'eau? Tu veux un parapluie? Prends des croquettes, prends. Allez, Titou. Ta mère. D'accord. Allez, te donne une petite boisson, tiens. Mange les croquettes. C'est pour toi. Voilà, ça va te donner de l'énergie, je te jure. Tu vas être tout énergisé après. Ah ouais, ça a bien bu, là. Au moins le papier. S'il a le bouchon dans la narine. Côté pouce, ça va pas, mais côté narine, ça y va. Bon, bah, c'est pas tout, mais vous faites fier quand même à tomber au sol. Ouais, ah ouais, parce que vous êtes relou, hein. J'ai envie de rentrer au quartier, moi, un truc, là. Mais t'es un malade, mais enlève-toi. Derrière, je médite. Pou? T'as dit quoi? Je suis dans la chope derrière, je médite. Vas-y, arrête de méditer, toi aussi. T'allais me trop chier. Renvoie mon sac de croquettes, s'il te plaît. Ah ouais, tiens. Merci frère, c'est le sac de croquettes à Titou. Ah, bah écris son nom sur le sac. Tiens Bruce, je te donne un bon mécano si jamais un jour t'en as besoin si tu reviens en vie. Putain, il est sacrément gros le bon mécano. Frère, c'est un carton. Tu es mort, elle est en train de se débarrasser de toutes ces merdes qu'elle a dans les poches. Tiens, si tu veux un bon fourrier aussi. Au cas où tu veux te changer une roue ou deux. Attends, j'en ai un autre. Putain, je peux monter un jour. Ah, attends, j'en ai un autre. Tiens. Mais... La taille des bons. Ah, laisse tomber, c'est Amazon. C'est vraiment le gérer ça en plus. Attends, mais tu vas où, Tré? Pourquoi, comment je vais grave rentrer, force à eux. Mais tu sais que moi, tu veux pas. Mais dépose-moi au quartier en fait. Oui, bah je vais au quartier là. Ah bah tu viens de là, au point.
Non, non, j'attends. Vas-y, vas-y. Vas-y, à demain. Parce que s'il vient là, lui ouais, là, tu vois la grosse merde là par terre. Ouais. Et lui là, ouais. Ils vont faire du poudin. Mais c'est pas grave, ils sont morts. Ouais, c'est vrai. Allez, à demain. C'est quoi, c'est pas vrai. Vas-y, à demain. Je vais attendre entre mes morts. À demain, bisous. Bref, ma Pélina, à côté de moi, y a Brooke et Titou, tout par terre. Printemps, ils moisaient les pieds tout plein de sang, parce que j'ai marché sur leur grosse gueule de merde. Arrête de sauter, coussez, Brooke. Je pourrais t'appeler Brooke. Faut que je te trouve un surnom. Brookignol. Eh, Brookignol. Bon, est-ce que je vois, tu veux pas mes bons? Ah, c'est pas grave. Récupérer. De toute façon, t'es jamais content. Donne mon amitié. Et bah toi, tu préfères une meuf. T'es jamais content. Tu veux un bon? Oui. Oui, tu veux un bon? Viens, je te donne un petit bon. Merci. Pour aller récupérer ta motobilette. Et l'autre, il est en train de taper sa meilleure pêche là-bas dans la voiture. Je suis entre deux morts et un mec à la chiasse. C'est génial, ma soirée. Il a pas envie de te parler dans le monde de l'au-delà. Je vois, vas-y, tant pis. Je crois qu'on va aller à l'hôpital. Elle va venir à pied ou quoi, la connasse? Ben, elle prend la voiture. Attends, allez, elle... Attends, je regarde si elle est fermée. Elle est clé, connasse. Ah oui, c'est vrai. Prends tes bons. Ah oui, c'est vrai. Allez, go, c'est porté. Tout de suite. T'inquiète pas, je m'occupe de tout, Tibonne. Oh bah. J'espère que t'as ta ceinture, Tibonne, parce que... Tu vas finir dans le même état. Allô ? Allô, Inaya, ça va ? Ouais, ça va, et toi ? Ça va, je sais pas, je viens de me réveiller à l'hôpital, là. Ouais, c'est normal, il y a une petite ambulance, elle est venue vous récupérer. J'arrive, ouais, je suis en voiture. J'espère arriver en un seul morceau. Parce qu'en plus, j'ai T-Bone à l'arrière et je sais pas s'il a attaché sa ceinture. D'accord, bon, on t'attend à l'hôpital. Ok, j'arrive. Accident ou pas accident? Je roule doucement parce que j'ai peur qu'il ait pas mis sa ceinture. Oh, oh putain. Sa mère la pute. les gars. Peter. Oui. Ça va? Ça va, vous? Oui, écoutez-moi, on est à la recherche d'un gars qui vend des bombes de peinture ou quoi, vous connaissez? Non. Je sais pas. Ça c'est le nom, le mot. Non, pas du tout. Ouais, ça c'est le. C'est la meuf de Marty, c'est ta meuf, on va lui demander. 5000 dollars. Mais non, mais. Vous nous dites c'est où? Mais je sais vraiment pas c'est qui. Une info fiable, c'est 5000 dollars. Tu connais, il y a un gars qui vend des. Il vend plein de trucs, il vend plein de gadgets, tout ça pour les brigands un peu. Bah non, je connais pas, c'est qui? On va chercher ailleurs. Ah, mais rappelez Iker. Des flics. Mais j'en peux plus de des flashs là, je fais des arrêts cardiaques. Comme tu veux. Merde, c'est pas là. Et en un morceau.
Non, mais c'est fermé. Mais t'as des clés, bâtard. Attends, je vais l'enculer. Oh, mais non. Vas-y. Monsieur Laurent, vous abusez là. Monsieur Laurent, vous abusez. Monsieur Laurent, vous abusez là. Vous attendez trop de temps, monsieur Laurent. Non, mais ça, vous inquiétez pas, ça va, ça va. J'ai vraiment juste 60 appels, quoi. On est prioritaire. On vous en veut pas. C'est pas avec tout le monde que vous avez des... que vous avez des super soirs hélicoptères, c'est pas avec tout le monde, ça c'est avec nous, donc on est prioritaire. C'est vrai ça. En parlant de ça, juste, enfin, petite précision, c'est normal que tous les véhicules sont ouverts là-bas, parce que j'ai failli les voler, hein. Véhicule. Non, ah là, moi le... j'ai une autre question plus importante. Oui, c'est premier, normal camion. Que moi vous me mettez trois raccrochages au nez et Naya vous lui répondez comme par hasard. Moi aussi, il m'a répondu, t'inquiète. Bah alors. Non, c'est juste vraiment ça, c'est une vraie excuse. On se casse. Ah ouais. On se casse. Que j'ai pas reçu votre numéro, votre appel. Ah bah super. J'ai pas reçu votre appel, il a dit. Non. Toujours non. Je vais te niquer ta race. Je vais t'enculer, mais tellement tiens, fort. Derrière. Arrête. Arrête ta grand-mère. Je vais te faire du mal. Attends, je arrête pas. Adobe. Ouais, Naya, je te passe tranquillement. Ça va et toi? Ouais, tranquillement. Dis-moi, on organise un nouveau Next avec Mathieu. Ça t'intéresse de participer ou pas? C'est vas-y, qui Mathieu? Laisse-le. Mathieu, c'est un petit mec, t'inquiète. C'est un mec. Hey, c'est toujours le même prix, 1000$ la minute. Ouais, vas-y. C'est vrai, t'es chaud, c'est vendredi à 22h, tu seras là. Vendredi 22h, ok, vas-y. Ouais, c'est bon, je compte sur toi. Vas-y. Ça marche, vas-y, et si tu veux qu'on se capte, tu m'appelles, hein. T'inquiète, tu connais. C'est quoi? Oui, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux pas me capter? Non, c'est pas ça, c'est que moi, c'est toujours sur l'idée que tu m'as nexté, quoi. Après, je trouverais peut-être l'amour avec Mathieu, hein, qui sait. Bah non, mais je t'ai nexté, de ma pour gueule. L'émission. Non, mais c'est pas grave, j'ai rencontré Mathieu, vie, maintenant. La vraie d'émission. Non, mais t'es mort. Vas-y, non, je te rappelle tout à l'heure, hier, t'as l'air occupé, vas-y. Ah, désolé, c'est parce que mon pote, il essaye de monter, mais il est trop con. Ah. Vas-y, je te rappelle tout à l'heure, Rebelle. Vas-y. Bisous. Bisous. Arrête. Je chiale, la putain de sa mère. T'es qui au téléphone? Oh putain, c'était Putain, mais... C'est pour dis-toi que je viens de sortir de l'hôpital et j'ai déjà mal. C'est pour que je reparticipe à Next pour un autre mec, mais c'est encore 1000 balles la minute, donc... Ah, je peux être le mec. Ce peso? Non, je veux gagner de l'argent. Mais non, mais toi, tu gagnes pas, c'est les meufs qui viennent pour le mec. Non, mais juste, t'imagines? Imagine-moi, là, un coup, je suis le mec, tout ça, et du coup, toi, tu participes, et moi, je fais grave exprès de tester longtemps, et à la fin, tu choisis l'argent. Comme ça, au moins, tu gagnes plein d'argent. Bah, j'avoue, c'est une bonne astuce. Alors, je te laisse une heure, comme ça, tu gagnes, si c'est une minute, 1000$, ça fait 60, ça fait 60 000$. Frère, mais c'est un plan de ouf. De fou, ouais, t'as mais... vu. Ouais, mais c'est pas nous qui choisissons qui est le mec. Bah, donne son hum, je vais le convaincre qu'on mette Koff ou quelqu'un de qu'on connaît. Mais non, mais en fait, c'est pas tout le temps. Mais je sais que moi, je vais y participer à ce truc-là. Donc, au pire, on pourra faire le plan, mais inverse. Parce que moi, je vais passer dans... En gros, on m'a demandé si je voulais le faire. Genre, être la meuf et des mecs, qui viennent pour moi. Oh, bah, vas-y, ouais. Ah oui, et moi, je viens. Ah oui, on y va. Ah oui, on peut faire ça. On y comme va ça, tu me fais gagner plein d'argent. Et ouais, et comme ça, je vous fais gagner dans les limites du raisonnable pour pas que ça soit cramé. Ouais, genre, ouais, 5, 000. Genre 5 ou 6. 5 000. Et genre 1, je fais genre on fait le deuxième rendez-vous et tu prends l'argent, c'est genre c'est le seul. Voilà, c'est ça. Mais je m'en bats les couilles. Exactement, t'as tout compris, Naya. Oh là là, vas-y. Trop forte. Oh, enfin, lui, il est toujours en train de méditer, hein. C'est un caca surprise. Ah, ouais. Montez. On va où? Montez. On va ranger les véhicules. Montez. Bon, on va y aller tout seul. J'ai cru que t'allais m'écraser encore. C'était le but, franchement, je te cache pas, c'était le but. Putain. Et vous vous rendez compte que je viens de sortir de l'hospice là et j'ai déjà mal. Oh, wow, attends, moi aussi j'ai mal là. Bah ouais, oui, j'ai bah, faim. Vas-y, à manger. Ah ouais, tu m'as pété mon menu, pétasse. Allez, je vous invite tous au Burger Shot. Le garage, il est derrière. Mais je vous invite tous au Burger Shot. Ah, ok. Y'a des gens au Burger Shot?
Il y a Saint-Père, frère. Bon, bah, je vous invite pas au Burger Shot. Putain, mais j'ai mal alors que je viens de sortir de l'hôpital. J'ai mangé trois coups de portière. C'est là, toi, c'est vrai. Hey, j'ai le oublié, cul en bon. Feu, vraiment. C'est ce que je disais. Oh, aïe. La voiture des flics. Oh non. Aïe, aïe, je conduis plus jamais. Putain, ça fait mal. Je suis désolé, vas-y, boy. Écoutez, vas-y. C'est qui le conducteur? Mais attends, mais quoi? C'est le cops qui nous a tiré dessus? Eh, écoute, quoi? C'est quoi, oh, putain. Boy? Oh putain. Ah oui, c'est lui. C'est lui qui t'a tiré dessus. Les boys. Merde, pétez la gueule, viens. C'est lui. Écoutez-moi les boys, écoutez-moi les boys. Vous savez qui je suis, moi? Non, t'es qui? Ouais, t'es qui? Non, je m'en fous de qui t'es pour le moment. Moi, je suis KB, moi. Moi, je suis KB. Ouais, bah moi, je suis coff, enculé. Eh, je suis KB. Oh putain, coff. Oui, je suis Bruce, d'accord? Laissez-moi parler, j'ai un truc à demander. T-Bone. Hein? Tu connais un petit... Salut les mecs! Ouais, t'as rien dit, ouais, gros bâtard! Viens. Dites-moi les jeunes, est-ce que vous auriez pas des bonbons? Il est vachement moche d'ouf ton gros. Des bonbons, te casse! C'est le jaune, il t'a tiré dessus! Non, j'ai rien fait. On attrape dans une ruelle. Ah bah, pas le temps. Pas le temps pour la ruelle. Eh, tousse pas, dis tout! Commencez pas. Aïe! Non, c'est mal! C'est mal! Je ne me bats pas! Oh si, c'est mal, viens, on va se mettre là-bas, on va s'asseoir, on a mal. Tous les deux. On va là-bas, c'est mal aussi. Je ne prône pas la... Oh, attention, il y a des voitures. Oula! Je ne prône pas la violence. Moi non plus, mais juste parce que j'ai mal. D'habitude, je suis un gros bagarreur. Mais là, non, c'est pas moi. Moi, je suis dans les 16. Voilà, Marty. Ouais, Marty, baisse-lui sa mère. Attention, Yakov, derrière toi, Marty. Marty, attention! Oh putain, il a eu 42. Voilà Marty, défends-toi, défends. Voilà, voilà les gars. Ah, ça va finir. Je sais pas marcher dessus. Voilà, ça c'est mes copains, ça. Ça c'est de la baston. Eh, tu nous amènes. Oh, bah, il y a plus. Ouais, mais c'est pas grave. Regardez les deux guignols là. Bien joué. Ta gueule. Bien joué, Marty. Bien joué, Marty. Ça c'était de la baston, c'était de la belle baston. Honnêtement, on va pas tarder, t'inquiète pas. Je m'en fous, toi, toi, petit con. Que tu m'arnaques ou pas. On veut mes lunettes. C'est le business. My name is Chicky. Chicky, Chicky, Chicky. Regarde, Tibon, je te passe ma carte d'identité et tu nous la rends si tu veux. T'inquiète. Putain, Tibon, mais il dote, Tibon. Non, la carte d'identité. Vas-y. Tant t'es flic, frère. Vas-y, tiens. Putain, on fait du business avec des cops, ça. C'est bon. Eddie, tu me passes la moitié maintenant, on y va ensemble. Quoi? Tu vas pas nous baiser? Mais attends, on y va ensemble. Ok, vas-y. On va ensemble où là? Je comprends pas. Je vais leur montrer. Salut les amis, les gens qui sont avec des gros connards. Oui, je t'achète les bombes de peinture. J'espère que vous allez bien. Je vais leur baiser leur carte. Non, attends. Eh, mais qu'est-ce que tu dis, toi? Arrêtez, s'il vous plaît, une patate, j'ai pas envie d'appeler. Dépêche-toi. Petit pardon. C'est pas un bandeau, je suis pas. Dis pardon. On se connaît pas plus que ça. Voilà. C'est pas un bandage, je suis pas. Bah non, sinon j'aurais bandé. Mais. Ah, mais j'ai pas de bandage, désolé. Pas le dire, mais on a des bandages. Ah, par contre, les boys. Faut pas le dire. Donne-en moi. Mais attendez, les boys. Si Bon, il fait du bise avec des cops, mais vas-y. Ouais, on est d'accord là. Vas-y, c'est pas grave. Bah si, lui, c'est grave, wesh, on est qui? Bah, c'est lui le chef. Et non, wesh, on est des salopes, nous. Ah oui. Bah non. De quoi? Hein? Bah non! Bah non! Oh. Après, tout dépend de qui on parle. Genre, y'a Brooke quand même dans l'histoire. Ah, fais gaffe parce que je t'en mets une, KO. Genre, me chauffe vraiment pas. Hein. Je rigole, Brooke Ignol. My name is Chicky. Non! Arrête! Ah, vous, tu t'es chié dessus, hein! T'es ouf! Ah, tu t'es chié dessus, hein! Et vous, faites quoi? Eh, frère T-Bone, mais. On va aller chercher des bandages. Les bandages dans l'entrepôt, faites vite. Et... Quel entrepôt? Vous y mettez quoi dans votre entrepôt là? Les armes. On met un peu justement pas. Tu peux me vendre de la coke là? Bientôt des 16. Je fais pas ça, je touche pas à ça moi. Putain. SOS. Merci Zino. Bienvenue. Ah.
Il y en a chez moi, t'inquiète, vas-y, viens. Essaye de me traîner, c'est toi, là? Non, parce que c'est du T-Rex en plus. Attends, c'est encore pire, t'essayes de me traîner chez T-Rex. C'est vrai que lui, il a l'âge de pécho. Tout le monde est en vie. Tout le monde est en vie. D'ailleurs, comment tu fais pour participer à des trucs alors que t'as 19 ans, toi? Putain. C'est ce que personne sait. Tout le monde croise des 21. Y'a Laurent. Laurent! Laurent! Putain, on marche depuis 6h30 et c'est eux qui vont se faire soigner, frère. Viens, viens, reprends les bandages, rien à foutre. Non, vas-y, viens, viens. Bah, viens, viens, il est là, il est là. Vas-y. Bon, on va chercher Laurent alors. Laurent! Merci, Alex Tsuka. Oh, le rat! Laurent! Il prend toutes les factures, il nous a tiré dessus. Enfin, c'est pas lui, c'est lui qui nous a tiré dessus. Oui. Tu te fous de ma gueule, on prend aucune facture, il nous a tiré dessus, le mec en jaune. Bah, c'est pas grave. Il est en service, donc. Il est pas en service, le mec en jaune. Bah oui, oh, mais c'est... il vous a pas tiré dessus. Bien sûr que c'est de tirer dessus à l'armurerie. Mais non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est 88. Si, c'est lui. Quoi? C'est 88. Oh, alors, non, moi je vous ai juste tasé. C'est lequel 88? Capitaine adjoint. Je vous ai juste tasé, moi. Je ne ferai jamais ça. 88. Il a pas fait exprès. Ouais. Et moi, il s'est excusé de... par là. Je vous fais une facture. Vous retrouvez qui? Allez-y, allez-y. Emilien. Merci. Non, moi. Bah vas-y, faites Coff et Inaya d'abord, ils ont plus mal. Ouais, il est mal. Plus mal, j'ai rien à foutre. Qui est là? Non, toi tu passes pas. Oh, c'est qui ce c'est lui là qui nous a tiré dessus? C'est lui 88? Oui, c'est lui 88. Bah c'est toi qui prends toutes les factures alors. Merci. Les factures de quoi? À des médecins, vu que tu l'as tiré dessus. Ouais. Et moi aussi, monsieur Laurent. Moi aussi, monsieur Laurent. 20 secondes, je dois dire un truc. Ah, mais c'est chez vous qu'on voit qu'on va jouer à cheval. Tu me dis pas un truc, tu me crasses l'oreille là. Mignon. Et mignon. Si, monsieur Laurent. De les femmes d'abord. On va pas lui faire de virement, on a des quichetas sur nous. Ah, bah c'est carré alors. On veut juste aller acheter des bourses de voiture. Oh, mais il casse les couilles, non. Tour, monsieur, putain, là, c'est ou quoi. Et voilà, au suivant. J'ai plus assez d'argent. J'ai plus assez d'argent pour payer. Oubliez pas que c'est chez nous quand même, genre les mannes à remplir. C'est des flics. Mais chez vous, c'est chez nous, d'accord. Mais comme pas comme ils sont pas en service. Je sais pas, mais qui tu veux en service? Si, si, ils jouent, mais en RP, on est embrouillé. Faites une queue. C'est qui ces mecs chez nous là? C'est des flics! Non, mais pas soigné. Mais c'est bon, on va te. Un petit pansement, s'il vous plaît. Excuse-moi. Venez. Faites-lui payer, hein. C'est des flics. T'es moi? Putain! Il est pas en service, lui. Qu'est-ce que tu veux raconter? Je suis en service. Il est pas en service, mais t'es juste en tenue. T'as ta tenue, mais t'as pas demandé de mettre de parler en radio. Viens, il peut parler en radio. Fais-moi 10-20. Tu peux venir, Inaya? Moi, 10, bah, vous êtes pas en service, vous allez pas le voir, je l'ai fait. Mais quoi? Voilà, merci, James. Non, mais attends, on va pas super loin non plus, genre. Dis-moi. Alors, c'est pas méchant contre Thibonne, hein. Non, je suis pas d'accord qu'il fasse du business avec des cops. Ok, et je cautionne pas là qu'on accueille tous les cops chez nous non plus, hein. Je cautionne pas non plus. Enfin, là, y'a les familles qui passent, ils nous prennent en photo. On passe pour les plus grosses lopsas de la rue, genre. Ouais. On passe pour des bouffes. Ouais, on est les plus grosses loupsas de la rue. Bah ouais, mais je suis pas vraiment. Merde, je l'ai crié. Enfin, désolé, mais d'ailleurs, tu sais très bien ce que je dis tout le temps, c'est fuck les cops, genre. Oui. Bien sûr, regarde, fuck les cops. Moi, j'ai mis des tartes de voilà, cops. Ouais, voilà, genre fuck les. Attends, je le crie. Fuck les cops, putain. Ouais, fuck les cops. Crié. Ah oui, j'ai bien crié. Mais j'ai vraiment crié en plus. Mais je crois on est trop loin. Si la Thibonne, il m'entend normalement. Voilà, ouais, Thibonne, il m'entend depuis tout à l'heure. Non, je t'entends pas, je suis venu comme ça. Thibonne, Thibonne, viens là. Ah, ok. Comment ça, tu veux du business avec des cops? Bon, du business, il va me passer 6 000 $. Mais pourquoi? Ah oui, pour leur montrer pourquoi le point où pour, on achète les montrer les peintures. Où on prend des bombes de peinture. Mais il lui montre pas ça. Mais c'est gratuit, ça. Gratuit, mais même, c'est un cops. Ah non, le mec qui vend les bombes de peinture, il fait un peu tout.
bombe de peinture en soi, c'est pas très grave. Oui, je sais ce qu'il fait, j'ai très bien ce qu'il fait, je l'ai vu, mais justement, il fait d'autres choses intéressantes aussi. Non. Dans des sacs, à la rigueur. Si, elle lui a fait un câlin au début, je dis. Les outils de crochetage, ça t'en trouve partout, mais mon mécano, tu t'en trouves un. Ouais, c'est vrai. Ils te les vendent pas parce qu'il y a que les mécanos qui l'utilisent, mais voilà, tu vois le délire. Pour 6 000 $, mais c'est au moins, on peut partir du quartier qu'on soit pas vu avec eux, genre, enfin. Je sais pas, enfin je sais pas. C'est bon. Je suis le seul à être entré, j'ai l'impression. Non, même pas. T'inquiète. Allez, cassez-vous. Je l'aurais payé 1 000 $. Vas-y, on tue. Jure, tu me l'aurais payé 1 000 $? Bah non, on paye tout fois 10. On a, ouais, on mais a trop dommage, d'argent. Mais la police, on est riche, vous êtes pas, ouais, vous êtes des pauvres. On a trop de sous, nous. Et parle bien, toi, ça va trop trouver. Et Roland Straighter. Ferme là, sale pauvre. Mais toi qui l'as payé. Straighter avec des 4x4, t'as pas honte? T'as pas honte, c'est quoi ton ski? T'as pas honte, c'est qu'on va faire le tour de la ville. Le trouver le mec. Ah mais attends, quoi, on doit le rechercher en plus? Non, mais il m'a passé 3 000 tout de suite et 3 000 pour après. Il a voulu, tu sais, il m'a dit quoi? Il m'a dit écoute, je te passe l'argent une fois qu'on l'a trouvé. Ma bite. Je suis un con, moi. C'est pas dans mon cul, hein. Quoi? Vaut mieux pas en ce moment vu comment t'arrêtes pas de chier. Donc là j'ai mal, en plus je te jure mon cul il chauffe de fou là. Mais t'as mangé quoi? J'ai rien mangé. Vous qui les finissent dans le coffre des voitures, putain, avant ça arrivait tout le temps. T'abuses là. SOS, un terrible. Tu viens la vie. Merci Anto. Bienvenue. Non, ta gueule. Arrête, arrête, putain, c'est après. J'avais pas de van, je suis désolé. Il est pas là. Il est pas là. Oh, putain, il est pas là. Ça me fait rire parce que à tout moment je leur mets une feinte. Je me balade. Comme ça. Donc attends. Franchement, on met leur une feinte. Là on est en train. Non, on n'est pas BMF, on est 16. Avec des cops. C'est pas des points. On cherche le revendeur quoi. Bah ouais, mais bon, il crèche un peu partout, c'est pour ça que. Bah voilà, donc on cherche son nouveau point, son nouvel endroit, genre. Je sais où est-ce qu'il connaît les endroits. Il est dans le nord là. Il faut y aller dans le nord, bah ouais. Et vous voulez pas me déposer que j'aille dormir là? Bah je vais dormir aussi, la vérité. Ouais, la vérité. T'as des dormeurs là? Non, ouais. Non, au quartier. Oui, mais quartier. Genre là tout de suite. Ouais, en vrai. Changement de programme, j'ai des gars moi qui veulent y aller dormir. Ok. Pardon. Oh dodo. Si Brooke. Ah ouais. Il faut la suite. Les cops. Ah oui, et oubliez pas, fuck les cops. Les cops. Ah, c'est comme ça d'ailleurs. Fuck les cops. Bien sûr, c'est comme ça, tu m'as jamais rappelé, espèce d'enculé. Ça casse. Ouais, on est là. Quoi? Quoi? Titou, il faut articuler, hein. Vénel. Mais enfin, oui, tu veux bien, mais... C'est quoi, cette chop? Ah, et... c'est celle qu'on a pété tout à l'heure. Ok. Bon, on va dormir. Enfin, moi, je vais dormir, je sais pas vous. Allez, bonne nuit. Eh, hey, Titou. Bonne nuit. Ah, bonne nuit. Aïe. Moi aussi, non, je veux dire bonne nuit, bonne nuit. Titou. Tiens, bonne nuit. Merci. On va la mêler. Mais c'est bon, on a déjà dit bonne nuit. Non, je t'ai pas, dit bonne nuit encore. Viens là. Putain. Voilà. Bonne nuit, Brooke, dors bien, espèce de gros bâtard. Aïe, c'est bon, je vais bien dormir. Dors bien! Super bien! Et toi aussi, Titou, dors bien! Toi aussi, connard! Dors bien là, Titou, hein! Ah! Voilà, je vous ai baissé tous les deux, allez, bonne nuit! Culé! Connard! En plus, t'es qu'une pute! Ouais, j'avoue! T'es une pute! Je me relève avant toi parce que j'ai toute ta famille, c'est une pute! Bon, on va éviter de se. Non, là on se tape pas. C'est allez, bon, bonne nuit! Monsieur Laurent, j'en ai marre là pour ce soir. Vas-y, bonne nuit!
Vas-y, la bise. Oh non, mais... Oh non, je voulais me casser dans le coffre. Non, mais j'ai pensé à un truc. Oui, demain, on sera dans cet état. Oh non. Allez, bonne nuit. Salut l'ours blanc, ça fait longtemps, pas ça va reculer, hein. Oui, j'oublierai pas, mais toi oublie pas de... Tiens, d'ailleurs, regarde, si c'est un cul. Je te demande un truc. Ouais.